Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette soirée spéciale. Soyez remplis du Saint-Esprit. On est très heureux d'être avec vous. Vous êtes déjà nombreux à être connectés sur satellite, sur YouTube et sur les différents réseaux qu'on peut utiliser. On est très heureux de pouvoir passer cette soirée de prière avec vous. Un live prière inspiré. Vous êtes beaucoup à nous dire que les émissions sont parfois trop courtes, vous avez envie de continuer. Eh bien, ce soir, on va passer ensemble cette veillée de prière, cette soirée de prière avec Gordon, Anne-Clémence, Aurélie Tchatchou, Frank Poulain. Et on va avoir aussi le pasteur Raoul Wafo qui va vous exhorter et vous encourager à la foi. Parce que nous croyons que Dieu répond à la prière. Et peut-être ce soir, vous vous sentez comme des ossements desséchés, vides ou secs spirituellement. Au contraire, vous êtes en feu et vous voulez vivre une soirée extraordinaire. Je crois que Dieu va vous toucher, il va vous fortifier parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera, nous le croyons. Et si vous utilisez comme moi un peu les réseaux sociaux et que ce soir vous êtes peut-être seul ou en groupe en train de prier, vous pouvez dès maintenant peut-être vous prendre en photo avec la vidéo derrière et partager ça sur les réseaux sociaux en taguant EMCI TV. Donc n'hésitez pas à vous prendre en photo, nous montrer que vous êtes là, partager cette photo sur vos réseaux sociaux en disant « connectez-vous, on est ensemble dans cette soirée de prière ». Et vraiment, je prie que la gloire du Seigneur puisse nous toucher ce soir, que le Saint-Esprit puisse vous toucher d'une façon très, très, très particulière. Donc, on aura un temps d'exhortation avec Aurélie qui est là. Bienvenue, Aurélie. Bonsoir, Jérémy. Femme de prière, femme de feu. Amen. Et on aura également donc, Frank Poulain qui va exhorter, prier avec nous. Et comme je vous l'ai dit, donc, on aura le pasteur Raoul Wafo, des témoignages aussi qu'on va partager avec vous. Et vraiment, nous nous attendons à la présence du Saint-Esprit parce que Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Et nous prions que l'écho du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, le Seigneur se manifeste à travers ce temps de prière, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous touche. Et je vous invite dès maintenant à ouvrir votre cœur à la douce et glorieuse présence du Saint-Esprit. Levez les mains vers lui et dites-lui, « Seigneur, ce soir, je veux être touché par toi. Ce soir, je veux te toucher. » Qu'elle en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans fin, tu m'appelles. Quand l'espoir faiblit et ma foi faiblit, tu es mon appui. Et lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté et qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Désormais,
soif de toi, Père. Saint-Esprit, nous sommes ton peuple et tu as promis d'être avec nous. Tu es le bon berger. Tu as donné ta vie pour tes brebis. Et ce soir, Seigneur, ta présence est là, car tu es fidèle. Tu vas te manifester, tu vas te glorifier. Tu vas toucher les cœurs désespérés, les cœurs assoiffés et les cœurs en feu. Que ta glorieuse présence, Seigneur Jésus-Christ, vienne toucher tous ceux qui sont déjà là, connectés, en esprit. Car tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous savons que tu es présent par ton esprit. Et ce soir, Père, ma prière, c'est que tu viennes dépasser les attentes de ton peuple. C'est que tu te manifestes d'une façon spéciale et particulière. Que ce soit une soirée marquante pour beaucoup. Nous voulons te glorifier par nos vies. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, et souffle. Souffle, souffle sur ton peuple. Viens bouleverser les cœurs. Viens bouleverser nos pays francophones, nos régions, nos villes. Viens bouleverser, ô Dieu, les villes en souffrance, les cœurs en souffrance, les familles en souffrance. Et apporter ta paix, toi seul peux le faire. Tu vas relâcher la guérison, libérer les captifs. Tu vas remplir du Saint-Esprit ce soir. Oui, Seigneur. Baptisé du Saint-Esprit et de feu. Ce soir, nos yeux sont sur toi. Oui, nos yeux sont sur toi. Tu vas réjouir les cœurs qui sont fatigués, opprimés. Tu vas faire rire, Seigneur, ceux qui n'ont pas ri depuis longtemps. D'une joie nouvelle, une joie extraordinaire, une joie qu'on ne pourra pas expliquer. La joie du Saint-Esprit. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui n'a pas ri depuis longtemps, alléluia, quelqu'un qui était sous le joug de la servitude, de l'oppression, ce soir va vivre un jour nouveau. Beaucoup de malades vont être guéris. Beaucoup de perdus vont rencontrer Christ pour la première fois et d'autres qui le connaissent déjà. Ça va être comme la première fois. Une nouvelle rencontre avec Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, je vous encourage à partager autour de vous, si vous êtes sur YouTube, à partager le lien à vos amis, sur WhatsApp, tout ce que vous pouvez utiliser, Telegram, etc. Partagez rapidement ce lien afin que beaucoup puissent vivre en live ce moment avec nous. Si vous avez des groupes de prière, peut-être en église, partagez également sur ces groupes de prière, ce live. Nous croyons que la glorieuse et douce et merveilleuse présence du Saint-Esprit va nous toucher d'une façon spéciale. Dieu répond non pas en fonction de la couleur de notre peau, de notre sexe, de notre origine, de notre connaissance, mais il répond par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, la soif qu'il y a dans notre cœur. Gloire à Dieu. Et Aurélie, je vais te laisser la parole, nous encourager et prier avec nous. Oui, mais merci Jérémy, vraiment. Et je rends grâce à Dieu vraiment qui permet que de tels moments existent en fait dans le corps de Christ. Et je vais m'adresser à vous qui nous regardez ce soir, vraiment, alors qu'on est en train de parler de soif. Vous savez, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Sa présence dans ma propre vie, c'est une présence qui fait une différence claire et significative en fait. Et ma prière, en tout cas pour vous ce soir, c'est que vous puissiez goûter au Saint-Esprit, mais vivre en fait avec lui des choses inédites, des choses que vous n'avez jamais vécues en fait, et des choses que vous ne pourrez jamais vivre si ce n'est par la présence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo ce soir et je sais que beaucoup vous parlez déjà en langue. Certains, vous ne parlez pas forcément en langue. Et aujourd'hui, on va prier pour vous et je crois que cela va se manifester dans votre vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, qui vont à l'église, qui vont différentes choses, mais le cœur est sec.
il y a toujours ce manque, il y a toujours cette chose. On vit une vie chrétienne, mais il y a quelque chose qui manque quelque part. Mais cette chose-là, où est-ce qu'on la trouvera? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, parfois, on est là, on marche dans notre marche chrétienne, on a l'habitude de faire des choses qu'on fait, et puis là, il y a quand même quelque chose qui manque. Il y a quand même ce petit truc à l'intérieur où tu te dis, je ne suis pas satisfait. Il y a plus que ça. Et aujourd'hui, c'est ce plus dont on est venu vous parler. Ouais. Ce plus qui est la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vraiment, nous sommes fichus, comme j'ai l'habitude de dire. Et je vous assure, le Saint-Esprit ne vient pas dans votre vie pour que vous ayez quelque chose de plus. Non, le Saint-Esprit vient dans la vie d'un être humain pour vivre avec lui. Ce n'est pas normal de passer une journée sans le Saint-Esprit, sans être connecté à lui, sans laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, sans laisser le Saint-Esprit diriger. Et aujourd'hui, alors que je priais pour ce temps, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a quelque chose de clair qui est apparu à mon cœur, c'est que beaucoup sont chrétiens, beaucoup connaissent déjà le Seigneur, mais il y a peu qui sont véritablement conduits par le Saint-Esprit. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment une soirée spéciale Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre les rênes, il va prendre le contrôle. Et mon exhortation, c'est de vous dire, ouvrons nos cœurs. Là où il y a la sécheresse, là où il y a des choses qui sont si difficiles, là où il y a des longues attentes, là où il y a des désirs ardents, brûlants à l'intérieur de vous, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les rencontrer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous combler ce soir. Que votre cœur ait soif. Ça fait plusieurs années que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais il y a des jours où je crie à Dieu. Je dis, j'ai soif de toi. Ouais. Je veux te voir, je veux te connaître. Vous voyez dans l'épisode de Exode, dans Exode, il y a ce chapitre dans la Bible où Moïse a dit, ne me fais pas quitter cet endroit en fait, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Dieu avait déjà ouvert la voie. Il avait dit, va vers le pays que je t'ai montré. Mais le pays, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose d'excellent, c'était un pays de promesses où coule le lait et le miel. Mais Moïse a réalisé que quand bien même il y aurait un bon pays devant moi, quand bien même ce serait agréable d'aller là-bas, si toi tu n'es pas là, alors je refuse d'y aller. Et c'est cette soif que le Saint-Esprit veut mettre dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Il va nous remplir de lui encore plus. Et cette soif va nous animer. Et on va refuser d'avancer sans le Saint-Esprit. Refuser aujourd'hui de vivre un jour sans le Saint-Esprit. Refuser de vivre la vie que vous menez sans le Saint-Esprit. Oui. Refuser de grandir sans le Saint-Esprit. Refuser de prendre ce pas sans le Saint-Esprit. Et il y a une proposition qui est devant toi aujourd'hui. Refuse-la si le Saint-Esprit ne fait pas partie de cette proposition. Il y a des choses qu'il va falloir laisser. Si le Saint-Esprit n'est pas quelque part, ça ne nous intéresse pas. C'est cette soif que le Saint-Esprit veut créer dans nos cœurs. S'il n'est pas là, non merci, on n'en veut pas. Et il faut que cette soif grandisse. Il faut que cette soif du Saint-Esprit devienne la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il faut qu'alors que tu regardes à ta vie, tu étudies tous les domaines de ta vie, tu dis non, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, je refuse. Saint-Esprit, viens dans mes affaires. Je t'invite dans mes affaires. Je refuse de vivre une vie dans laquelle tu n'es pas là. C'est cette soif que le Saint-Esprit veut créer dans nos cœurs. Oui. Où que vous soyez, qui que vous soyez, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut mettre en vous aujourd'hui. Et cette chose, on ne la laissera pas passer ce soir. Là où vous êtes commencé à crier à Dieu, commencé à lui dire, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait un domaine dans ma vie où tu sois à l'écart. Je veux t'inviter dans chaque aspect de ma vie. Il y a des domaines que le Seigneur va vous montrer. Peut-être dans ces domaines-là, vous n'avez pas encore pleinement fait de Jésus votre Seigneur ou même votre Sauveur. Vous n'avez pas pleinement pris le règne de Dieu comme celui qui doit gouverner dans ces domaines-là. C'est le temps de Dieu au Saint-Esprit. Saint-Esprit, non. Je veux que ma soif de toi augmente. Je ne suis pas satisfaite de là où je suis. J'ai entendu parler des fleuves d'eau vive, mais je veux les voir dans ma vie également. J'ai entendu parler du feu du Saint-Esprit qui brûle, le feu qui ne s'éteint pas. Je veux le voir dans ma vie aujourd'hui. Je refuse de vivre une vie plate, comme disent les Québécois, une vie qui n'a rien
rien, qui est vide, Seigneur. Je refuse de vivre ce type de vie. Mais je veux vivre la vie que tu as prévue pour moi. Tu n'es pas un plus dans ma vie, tu es le maître de ma vie. Tu es celui qui dirige ma vie. Tu es celui qui doit me conduire. Tu es celui qui doit m'amener. C'est ça qu'on veut dire au Saint-Esprit ce soir. Alors là où vous êtes, commencez à prier avec vos propres mots. Commencez à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pas un pas sans toi. Je refuse de mener ma vie loin de toi. Je refuse de vivre comme si tu n'étais pas présent. Je refuse d'être dirigé par mes propres chemins, par mes propres voies, alors que le Saint-Esprit a été décrit comme le guide. Il a été décrit comme le conseiller. Il a été décrit comme celui qui nous conduira dans toute la vérité. Alors pourquoi marcher selon ma propre vérité? Pourquoi être guidé par mes propres chemins alors que le Saint-Esprit est là? Alors qu'il est là pour me conduire vers la voie de Dieu, vers le chemin de la vie. Oui, peut-être ce chemin est étroit. Oui, peut-être ce chemin est resserré. Mais le Saint-Esprit est là pour me conduire vers ce sentier clair, aplani, là où il a prévu que ma vie germe, là où il a prévu que ma vie porte du fruit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire vers la volonté de Dieu. Précieux Saint-Esprit, qui d'autre avons-nous en dehors de toi? Qui est comme toi, précieux Saint-Esprit? Nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu diriges nos vies. Nous aimons quand tu nous conduis. Nous aimons quand tu nous portes, quand tu nous soutiens. Nous aimons, cher Saint-Esprit, lorsque tu prends le contrôle de toutes choses. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Augmente notre niveau de soif de toi. Augmente notre soif de toi dans tous les domaines de notre vie. Augmente ma soif de toi dans mon quotidien. Augmente ma soif de toi dans l'éducation de mes enfants. Augmente ma soif de toi dans la façon de vivre dans mon couple. Augmente ma soif de toi dans mon attitude, dans mon caractère, dans la façon de me comporter. Cher Saint-Esprit, je te reconnais aujourd'hui comme la personne la plus importante de ma vie. Je te reconnais aujourd'hui comme mon chemin, comme ma vérité, comme celui qui doit me diriger, comme celui qui doit prendre le contrôle de ma vie, celui-là qui doit me diriger dans les voies de Dieu. Si Jésus a pu marcher sur cette terre comme il a marché, c'est parce que tu étais là, cher Saint-Esprit. Et Jésus est mon modèle. Alors que je veux marcher comme Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie, cher Saint-Esprit. J'ai besoin que tu diriges tous les domaines de ma vie. J'ai besoin, cher Saint-Esprit, que tu me conduises dans des chemins que je ne connais pas. J'ai besoin que tu me pénètres au plus profond de moi, dans mes entrailles, Seigneur. J'ai entendu parler des fleuves d'eau vive. J'ai besoin qu'elles jaillissent de moi. J'ai besoin qu'elles sortent, cher Saint-Esprit, à cause de ta présence en moi, à cause du fait que tu me diriges, à cause du fait que tu me conduis. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, là où vous êtes, réclamez sa présence. Seigneur, augmente notre soif. Augmente notre soif de toi. Augmente notre désir de toi. Seigneur, nous voulons te connaître comme nous ne te connaissons pas encore. Nous voulons t'aimer comme nous ne t'aimons pas encore. Nous voulons vivre avec toi comme nous ne vivons pas encore. Oui. Nous voulons t'honorer, cher Saint-Esprit, comme nous ne le faisons pas encore. Nous voulons aller dans d'autres dimensions avec toi. Nous voulons aller dans d'autres sphères avec toi, cher Saint-Esprit. Il y a des voies que toi seul connais, que nous ne connaissons pas encore. Amène-nous à part avec toi. Amène-nous afin que nous vivions ces temps avec toi. Saint-Esprit, mon cœur a soif de toi. Je t'appelle, précieux Saint-Esprit. Viens régner en moi. Viens régner dans nos cœurs. Nous soupirons après toi, cher Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour nous envoyer le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es notre avantage. Tu es le garant de notre héritage. Tu es notre don parfait, cher Saint-Esprit. Tu es notre grâce excellente, cher Saint-Esprit. Tu es notre précieux trésor, cher Saint-Esprit. Nos cœurs soupirent après toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi puissamment. Que quelqu'un sorte de ce temps rempli du Saint-Esprit.
Que quelqu'un sorte de ce temps inondé du Saint-Esprit. Que ta gloire paraisse dans les vies, oh cher Dieu. Saint-Esprit. Que ta gloire paraisse maintenant dans les cœurs. Cher Saint-Esprit, quand tu rentres en scène, il y a tellement de choses qui se passent. Des vies sont changées, des transformations immédiates, des cœurs sont touchés. Saint-Esprit, rentre en scène maintenant. Dirige-toi dans des maisons maintenant. Dirige-toi vers des cœurs maintenant. Cher Saint-Esprit, touche maintenant. Saisis maintenant. Rencontre un cœur maintenant. Délivre maintenant. Agis maintenant. Remplis maintenant, cher Saint-Esprit. Que ta gloire paraisse. Que ta gloire paraisse. Que ta gloire remplisse, Seigneur. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Le Seigneur dit, donne-moi ton attention, mon peuple, ma nation, prête-moi l'oreille. Il dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Mais ce soir, vous avez répondu positivement à l'appel du Saint-Esprit dans votre cœur, à la soif du Saint-Esprit, à la soif de Dieu. Comme l'a dit Aurélie, il est tout pour nous. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, ce soir. Mon frère, ma sœur, fixe tes yeux sur le Seigneur. Alors que de tous les pays, des frères et des sœurs sont connectés maintenant dans ce temps de prière. Les cœurs, les voix des cœurs s'élèvent vers Dieu. Et comme la terre qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, nos cœurs attendent avec un ardent désir la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Ce soir, c'est notre soir. Ce soir, tu viens à la rencontre de ton peuple. Saint-Esprit, tu n'es pas une philosophie, tu n'es pas un Dieu mort, une statue qui ne peut pas bouger, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu es l'alpha et l'oméga, tu es celui qui dit une chose et la chose arrive, tu es celui qui voit les choses à l'avance. Tu es celui qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux aveugles, qui libère l'opprimé. Tu relèves la tête de celui qui souffre. Tu relèves le visage de la prostituée. Mon Dieu, tu es celui qui relève nos têtes. Tu nous fais marcher en dignité, en honneur. Tu es Dieu. Tu nous as fait triompher en Jésus-Christ. Et tu nous as placés au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité satanique. Tu nous as restaurés et placés dans le creux de ton cœur. À l'ombre de tes ailes, nous sommes bien. Nous sommes placés, protégés en toi. Tu as dit qu'on entrera, qu'on sortira, et qu'on trouvera des pâturages. Ta main est sur nous. La présence du Saint-Esprit est là. Elle veut te toucher, mon frère, ma sœur. Laisse-toi toucher par lui. Que la soif se lève dans ton cœur. Enlève toute distraction autour de toi. Si tu dois te mettre à part dans une pièce, fais-le.
Mais ce soir, c'est ton soir. Même si le repas est préparé pour certains, laisse. Ce soir, c'est ton soir. Saint-Esprit. Esprit de vie. Saint-Esprit. Dis-lui. Saint-Esprit. Esprit de vérité. Saint-Esprit. 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 Quand on l'appelle, il vient. Quand on l'appelle, il vient. Comme un ami précieux, sans artifice, sans politiquement correct, sans protocole, juste avec le cœur. Dis-lui ce soir, Saint-Esprit touche ma vie. J'oublie tout. J'oublie tout pour être avec toi. Je veux, Seigneur, que tu m'immerges dans ta présence. Je veux entrer dans ce fleuve, dans l'atmosphère du ciel. Et être bouleversé. Saint-Esprit. Oh, oh. Oui, ce soir, plusieurs, vous gardez encore les choses à l'intérieur. Vous regardez, mais ne soyez pas spectateur. Il y a quelque chose qui doit sortir du cœur. Une soif. Il y a besoin que tu parles. Il y a besoin que quelque chose sorte. Quelle que soit la forme. Saint-Esprit. Oui, dis-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai faim, tout dans nos cœurs, précieux Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Ouais. Prends toute la blessure. Jésus, Saint-Esprit. Gagne, je t'ai rendu. Oui, Saint-Esprit. Prends toute la blessure. J'ai soif de toi. Dirige ma vie. J'ai soif de toi. Dieu, prends-moi dans tes bras. Oui, prends-moi. Prends-moi dans tes bras. En dehors de toi, Seigneur, tout est vanité. Prends-moi dans tes bras, ô Dieu. C'est l'histoire d'une relation d'amour. Remplis-moi de toi. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Oui, Saint-Esprit. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Esprit. Par ta présence.
Descends. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria. N'est-ce pas extraordinaire? Il était de la même nature que nous, mais il pria. Et ce soir, je crois que lorsque nous allons prier pendant cette soirée, ce qui doit être fermé sera fermé. Ce qui doit être ouvert sera ouvert. Ce qui doit sortir sortira. Et ce qui doit venir viendra. Car il ne tardera pas. Et ce qu'il a dit, il le fait arriver. Et je prie ce soir que la glorieuse présence du Saint-Esprit puisse vous toucher. Et je veux vous encourager. Alors que vous êtes nombreux et plusieurs pays, la RDC, le Congo, le Canada, Belgique, France, Guadeloupe, Liban, l'île Maurice, Haïti, Californie, Suisse, Mali, on bénit tous ces pays, Sénégal, Gabon, Allemagne, Cameroun, Mali, Ouganda, le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., etc. On est tous connectés dans l'esprit. Et nos yeux sont sur lui. Et il est prêt à intervenir et à se manifester, quel que soit votre besoin. Quand il vient, quand il descend, quand sa gloire descend, tout est transformé. Et je voudrais vous encourager, malgré vos besoins et vos difficultés présentes, à ce que ce soir, par-dessus tout, vos yeux soient fixés sur lui, pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Amen. Et je sais que le Seigneur veut une relation d'amis, d'amour avec lui. Et je crois que plusieurs, vous avez l'habitude de prier, une façon de faire. Et je prie que ce soir, ce soit particulier, ce soit différent, pas de protocole, juste le cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et pour vous encourager, avant de recevoir Frank, on va continuer de prier.
partager avec vous quelques témoignages parmi beaucoup. On en a tellement et je vous invite à aussi partager. Vous pourrez à la fin de cette soirée votre témoignage. Partager avec vous plusieurs témoignages qu'on a reçus en vidéo et que cela puisse susciter la soif, Amen. La faim dans votre cœur que ce soir, Dieu va agir. Car notre Dieu est fidèle et il n'a pas changé. Soyez encouragés maintenant par ces témoignages. Alors, il y a 3 jours, je suivais une vidéo de Jeremy Soldrill. Il parlait de son témoignage, il racontait son témoignage et le titre, c'est « Les directions du Saint-Esprit dans ma vie ». Alors, j'ai mis cette vidéo et je suivais. Et ce jour-là, c'est comme si Jérémie s'adressait à moi. Il parlait du fait qu'on désire la présence du Saint-Esprit, mais de fois, il y a peut-être un petit doute qui est en nous. On ne fait peut-être pas confiance en Dieu. Et c'est comme s'il s'adressait à moi. Et en suivant toutes les directions, j'ai ouvert ma bouche, j'ai levé mes mains. Et tout à coup, j'ai commencé à parler en langue. Vraiment, c'était une grande, bonne expérience de ma vie. J'ai parlé en langue et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas de parler en langue. En prière, je peux arriver à parler en langue pendant des heures. Je rends grâce à Dieu car il est le Dieu qui vraiment répond à nos prières. Surtout quand on désire la présence du Saint-Esprit, il est là, il nous la donne et il nous inonde de sa présence. Le 23 novembre, nous avons assisté, mon compagnon et moi, à l'émission de prière inspirée avec Audrey Mac sur la prière en langue et le baptême du Saint-Esprit. À la dernière émission, nous avons exactement suivi les conseils d'Audrey, c'est-à-dire de fermer les yeux, de lever les mains, d'entrouvrir la bouche et de prononcer des syllabes. Et là, j'ai senti comme un courant dans les mains, dans les pieds, puis aux jambes et dans tout le corps. Et je me suis mise à parler en langue. Depuis, je prie en langue. Je me sens plus calme, plus sereine. Je ressens une plus grande paix intérieure. Ma vue s'améliore. Et je prie. J'ai soif de Jésus. J'ai hâte de connaître ma mission divine et de l'accomplir. Bonsoir, je suis Pichou, je réside à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu lors d'une série de prières inspirées avec Jérémy et Audrey sur la prière en langue et le baptême du Saint-Esprit. Ces jours-là, j'étais à genoux en train de prier. Et j'ai été saisie par le Saint-Esprit. J'ai commencé par parler en langue. C'était extraordinaire. Le don a été activé d'une manière spectaculaire. J'ai prié en langue. Je n'arrivais plus à m'arrêter. À un moment donné, je voulais passer en français, mais je n'arrivais pas à parler français. Et du coup, je me suis laissée conduite par le Saint-Esprit jusqu'à la fin. J'avais fait plus de 20 minutes. Audrey et Jérémy, ils avaient fini l'émission et moi, j'ai continué à louer Dieu et j'ai continué à prier en langue. Mon fils aussi, il a prié pendant quelques temps en langue. C'était vraiment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette année 2019, ça a été une année de miracles de Dieu a opéré des grandes choses dans ma vie. Soyez tous bénis. Merci pour tout ce que vous faites pour la francophonie. Soyez bénis abondamment. Au revoir, à la prochaine. Bonjour MCI, nous sommes Christelle et Jean-Baptiste. Nous habitons en France et avons 2 enfants. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Vous êtes comme une famille pour nous, mais tellement bénis par vos émissions que nous regardons tous les jours. Elles nous ont permis une restauration spectaculaire de notre couple alors que nous étions sur le point de divorcer. Et on a eu un plus avec le baptême du Saint-Esprit lors d'une émission de prière inspirée avec Audrey Mac. Nous sommes issus du milieu protestant.
et notre dénomination n'enseigne pas le baptême du Saint-Esprit. Mais quand j'étais petite, à l'âge de 5 ans, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit parce que j'avais vraiment le feu pour Jésus. Je priais en langue, je chantais en langue sans même le savoir d'où ça venait. Et puis, ça s'est tari, ça s'est revenu à la vingtaine et à nouveau, ça s'est soufflé parce que j'avais pas l'enseignement et la connaissance. Et avec votre émission, ça m'a permis de me reconnecter avec ce qui s'était, voilà, le Saint-Esprit. Et ce petit luminon, en fait, il est devenu un feu qui s'embrasse. C'était vraiment un feu de joie. Et j'ai été vraiment heureuse de retrouver mon meilleur ami qui était le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a changé radicalement ma vie et notre vie, en fait. Et tout ce que je savais intellectuellement de Dieu, en fait, il me l'a fait vivre. C'est comme si c'était passé de la tête au cœur, quoi. Et notamment, en premier lieu, il m'a montré en fait, mon identité en Christ. Il m'a remis là où je devais être, là où était ma place, fils de Dieu. Puis après, il nous a fait voir plein de choses, des miracles. Par exemple, j'ai ressenti son amour incroyable pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu. J'étais dans ma voiture, je priais en langue, et puis d'un coup, j'ai reçu cet amour incroyable. J'en ai pleuré tellement c'était fort. Ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Puis il y a eu aussi une vision où j'ai vu la gloire de Dieu resplendir sur le Genevois, notre région, et 2000 personnes qui louaient Dieu. Et en fait, je sais que c'est Dieu qui veut toucher ces personnes. On a vu des miracles aussi, et on y a participé 2 fois en imposant les mains sur ma femme, et la douleur qui s'en va instantanément. Oui, c'est vraiment un feu en fait qui brûle en moi que je ne connaissais pas. Un feu qui me fait lire la Bible tous les jours, alors qu'avant je ne la lisais pas. Un feu qui me fait parler aussi aux gens, à des collègues, à des amis ou à des simples connaissances. Et puis on prie aussi avec un couple d'amis pour notre église et on voit vraiment que ça change quelque chose dans notre église, c'est en train de bouger. C'est un changement radical qui s'est passé, il y a un avant et un après. L'atmosphère de notre maison a changé. Notre fils aîné de 11 ans parle de Dieu à l'école, il lit sa Bible. Le petit de 5 ans nous dit le matin « Jésus te bénit ». Moi-même j'ai eu 3 visions, j'ai eu la révélation d'écrire un livre et vraiment c'est une grande joie dans notre vie, ça change nos priorités et Dieu veut vivre un cœur à cœur avec chacun et ça dépend d'aucune dénomination religieuse. Jésus est notre religion et voilà, merci UMCI, merci à vous et soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Salut, je m'appelle Gaudens, je suis de nationalité béninoise. Cela fait aujourd'hui plus de 12 ans que j'ai donné ma vie à Christ, mais depuis toutes ces années, j'ai toujours été un chrétien qui ne voyait qu'à la limite de sa vue. J'étais un garçon assez charnel et je me laissais vraiment guider par mon corps. Dans ma marche chrétienne, j'ai entendu parler du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, qui peuvent être vraiment des éléments détonateurs du changement de vie. Et donc, je n'y ai vraiment pas cru, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs aujourd'hui. Mais un jour, je suivais l'émission Prière Inspirée dans sa série intitulée Le baptême du Saint-Esprit et l'activation des dons. Dans l'émission, Madame Audrey Mack, l'invitée du pasteur Jérémy Soudré, disait que nous devons prendre conscience de ce que nous avons, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui veut se mouvoir, nous transformer et faire de nous des personnes meilleures. J'ai pris cette parole avec beaucoup de conviction, beaucoup de foi, et j'ai prié avec beaucoup de certitude et beaucoup d'encombrement. Du coup, j'ai senti en moi un léger souffle de changement. Et c'est ainsi que j'ai ouvert la bouche pour la première fois. J'ai parlé en langue et j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Ce qui est formidable, c'est que depuis ce merveilleux jour, je me suis senti une nouvelle personne. Ma vie a changé. Je vais d'esplan en esplan, m'accrochant à la parole de Dieu. Oui, je ne me sépare plus de la Bible. Mieux, ma vie est ordonnée, conseillée et tout est fluide autour de moi. J'ai de la compréhension dans tout ce que je fais. Oui, moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je donne de la place au Saint-Esprit dans ma vie. Mais toi qui suis ce témoignage, toi qui as été mis au courant de ce que l'Esprit Saint est nécessaire pour ta vie, il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, bénisse EMCITV, que j'affectionne énormément et que la gloire de Dieu parvienne à sa jamais. Gloire à Dieu, ce que le Seigneur a fait pour ses frères et sœurs, il est capable de le faire pour vous. Et quel que soit le domaine, quelle que soit la situation de votre besoin, ce soir particulièrement, notre désir et notre cœur, c'est d'avoir plus de la personne du Saint-Esprit, de la glorieuse présence de Dieu. Dieu veut le faire. Dieu veut vous toucher. Et quel que soit votre besoin, alors que vous fixez vos yeux sur Jésus-Christ, le Seigneur s'occupe de votre besoin. Et on aura l'occasion de prier pour vous pendant cette soirée. Vraiment que la soif soit augmentée, que la soif soit activée
dans nos cœurs parce que Dieu est là, vraiment il est là et il est prêt à agir. Et ce soir on a la grâce d'avoir Frank avec nous qui nous a rejoint. Bienvenue Frank. Yeah. Hello Frank. Glory to God. Ah, c'était puissant, je suis là avant d'arriver et j'ai dit j'ai pas besoin d'y aller. C'est trop fort déjà. Ah, c'est une joie pour moi d'être avec vous en tout cas. Et Dieu a déjà commencé à agir et il va continuer de le faire par sa grâce, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime et parce que tout simplement c'est son désir. Mm. C'est ce qu'il veut faire. Et il y a tellement de gens qui sont connectés en ce moment, des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est pas plus. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu connaît chacun de nos besoins. Et alors qu'on préparait cette soirée de Pentecôte, et cette soirée de réveil, je me suis dit, mais Seigneur, ton peuple a besoin de, au-delà de rechercher à être juste touché de ta part, au-delà d'être béni, au-delà d'être rempli du Saint-Esprit, ton peuple a besoin de te craindre. Ton peuple a besoin de revenir à toi et de décider une bonne fois pour tout d'arrêter de jouer avec le péché, d'arrêter de te prendre à la légère. Et en cette soirée, je voudrais qu'on puisse lire un passage en particulier dans Actes 19. Actes 19, à partir du verset 17. Actes 19, verset 17. C'est tellement extraordinaire parce que c'était un moment de réveil dans la ville de Éphèse. Et là, la parole dit, par rapport à ce qui s'était passé, il y a eu des signes, prodiges et miracles. Et là, la parole dit, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, pour moi, c'est le signe indéniable qu'il y a un réveil qui se produit à quelque part, que ce soit dans la vie d'une personne, que ce soit dans une église locale, que ce soit dans une région ou dans la francophonie au complet. C'est où est-ce que les gens se tournent vers Dieu. Mais non seulement des nouvelles personnes qui n'ont jamais connu Dieu, mais des personnes qui ont connu Dieu et qui se sont refroidis et qui ont reconnu que dans leur vie, il y avait des choses qui devaient être confessées. Et alors que ce soir, on a invoqué la présence du Saint-Esprit, alors que ce soir, on lui a demandé, viens dans ce lieu ici, traverse les écrans, va toucher ceux qui sont là. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous te désirons, nous aspirons à ta présence. Mais lorsque le Saint-Esprit est là... Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Des convictions de péché viennent. Il y a des cœurs qui sont tellement endurcis, qu'il y a des murs qui s'étaient élevés. Des personnes qui acceptaient et volontairement vivaient dans le péché. Mais alors que le Saint-Esprit est là et qu'il descend, les vies sont touchées. Les personnes sont travaillées. Et c'est impossible que ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce soir, c'est impossible que dans toutes les personnes qui regardent cette émission, il n'y en a pas qui, même depuis le début de cette émission, avant même que je parle, il y avait des convictions de péché. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Je le sens en ce moment, il est à l'œuvre dans votre maison. Il est à l'œuvre là où vous écoutez ce live. Et le Saint-Esprit dit... Tu recherches de vivre des choses nouvelles avec moi. Tu recherches à monter à des nouvelles hauteurs. Tu recherches à aller plus loin avec moi. Mm-hmm. Mais tu tolères ces choses dans ta vie, comme si c'était rien du tout.
tu cherches à invoquer mon nom. Mais alors que moi, ce que je veux, c'est un endroit pur et un endroit saint où me poser, où me manifester, où descendre et venir. C'est la saleté. C'est le mépris. C'est toutes ces choses qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu, là où il y a eu des réveils. Le peuple de Dieu a besoin de se tourner vers Dieu une bonne fois pour tout. Oui. Frères et sœurs, vous cherchez à vivre la gloire et la présence de Dieu. Mais on parle n'importe comment, on regarde n'importe quoi. On ne fait pas attention à ce qui rentre dans nos oreilles, ni à ce qui sort de notre cœur. C'est comme si tout passe. Peu importe ce que j'ai envie, c'est ce que je fais. On est dans un évangile de grâce. Dieu nous aime. Dieu est bon. Mais Dieu est saint. Amen. Dieu est amour. Dieu est parfait. Quand Moïse s'est tenu dans la présence de Dieu, il n'a pas pu garder ses sandales parce que c'était un lieu saint. Et Seigneur, je prie qu'en ce moment, ce qui est ici, dans ce lieu, puisse envahir maintenant les lieux où ces personnes nous regardent. Et comme que ces gens ont fait, et comme que le roi David a pu le faire, il est allé au prophète Nathan et il a dit, « J'ai péché, j'ai commis l'iniquité. » Il a été assez humble d'aller et de confesser son iniquité. Vous désirez vivre des percées dans vos vies. Vous cherchez à vivre la gloire de Dieu. Mais l'orgueil est rendu à un tel niveau où vous n'osez même plus confesser les péchés parce que vous vous dites, qu'est-ce que les autres autour de moi vont dire? J'ai une position dans mon église. J'ai une position vis-à-vis de mes frères et mes sœurs. De quoi aurais-je l'air si je dis qu'il y a un péché dans ma vie? Mais alors que Dieu, ce qu'il cherche, c'est des enfants tellement simples, humbles de cœur, qui vont désirer et qui vont accepter venir à lui tel qu'ils sont et qui vont venir et qu'ils diront et qu'ils auront le cœur brisé, venir et dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai péché contre toi. Jacques lui-même le dit, que lorsqu'une personne veut recevoir la guérison, qu'il confesse ses péchés, il y a une puissance dans la confession. On désire recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et Dieu donne gratuitement et librement à tous ses enfants. Mais aujourd'hui, je vous exhorte, purifiez vos cœurs. Ne méprisez pas la présence de Dieu. Ne pensez pas que c'est gratuit, c'est là, et demain, ça sera encore là, etc. Non, non. Le Saint-Esprit veut un endroit pur, un endroit de sainteté, un endroit de paix où il pourra venir et faire sa maison et agir avec puissance. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus, mon Père. Et je prie que ceux qui regardent se lèvent. Que là où vous êtes, je sais, vous résistez. Et vous dites, mais non, je ne veux pas. Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Qu'est-ce que mes parents penseront de moi? Mais ce soir, c'est un soir de libération. Oui. Amen. C'est un soir de chaînes brisées. Mm-hmm. C'est un soir où l'onction va venir détruire le joug du diable, de Satan et de ses démons. Parce que lorsqu'une chose est confessée, elle perd sa puissance. J'ai la conviction ce soir dans mon cœur. Oh, Satan, t'es sur le point d'être éjecté hors de leur vie. J'ai cette conviction qu'au moment où est-ce qu'il va y avoir des péchés de confesser, vous allez être remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Les ténèbres vont s'enfuir et Dieu, par son esprit, va venir remplir. Et là où vous êtes,
Commencez à confesser les choses qui vous tiennent captifs maintenant. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne, Dieu vous entend. L'apôtre Jean a dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu, il est bon, il est fidèle, il est juste de nous purifier de toute iniquité. Et là, je vais arrêter de parler. Et dans ce moment d'adoration, dans ce moment de présence de Dieu, dans ce moment de sainteté, vous allez confesser les péchés. Oui. Vous allez dire à haute voix ce qu'il vous retient captif. Vous allez le dire. Dieu, je te demande pardon pour telle chose dans ma vie. Libère-moi. Oui. Et à ce moment, le Saint-Esprit va venir intervenir. Je vous le garantis. C'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que c'est Dieu dans sa parole qui le dit. Il va venir. Il agira certainement ce soir, en ce moment, en cet instant. Yes. S'il y a quelqu'un à côté de vous, c'est votre mari ou votre femme, dites cette chose. Si c'est de l'amertume, si c'est du non-pardon, si c'est de la jalousie, si c'est un esprit de séduction, si c'est un esprit de manipulation qui est là depuis des années, vous manipulez votre mari, votre femme, vos enfants, les gens, votre travail, que cet esprit de manipulation soit brisé dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Commencez à confesser, confessez, peuple de Dieu, confessez. Il n'y a pas de plus puissant signe de réveil spirituel que de confesser ses péchés. Alléluia! Agis, Esprit de Dieu, en ce moment. Soit brisé. Mande brasso. Qu'elle le soit au nom de Jésus-Christ. Brosso de Nebalaya Branaleso. Polo colo pronto.
pardon pour des relations qui étaient brisées en ce moment. Et nous voulons parler ta parole. Que oui, Seigneur, tu viens et tu réconcilies par ton esprit d'une façon surnaturelle. Je prie, Seigneur, pour ceux qui croyaient qu'ils s'étaient égarés de toi et que c'était fini pour eux. Je prie pour tous ceux ce soir qui s'étaient disqualifiés, qui avaient accepté les mensonges du diable. Je prie au nom de Jésus qu'ils soient relevés. Je prie que la paix soit rétablie entre eux et toi. Je te remercie parce que tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle pour purifier et pardonner tout péché, toute iniquité. Et en ce soir, Seigneur, nous voulons prier et déclarer que les enfants qui s'étaient égarés vont revenir à la maison. Que ce soit d'une façon spirituelle, mais je parle même d'une façon physique. Que les parents qui ont prié depuis de longs moments, que leurs enfants vont revenir à la maison. Je prie au nom de Jésus. Que ton esprit agisse en eux. Je prie pour ceux qui s'étaient égarés spirituellement, qu'ils reviennent à toi dès ce soir. Qu'ils refassent la paix avec toi. Oui. Seigneur, je veux prier pour ces jeunes adolescents qui se sont fait avoir par les ruses du diable. Vous avez 11, 12, 13, 14, 15 ans. Vous écoutez ce live ce soir. Peut-être que vos parents sont là. Et le diable a pu mettre sa terrible main sur vous par des tentations quelconques de différentes sources. Wow, je sens dans mon esprit qu'il va y avoir... Et l'Esprit de Dieu est sur vous en ce moment, comme il l'a été sur ma vie quand j'étais adolescent. Et ce soir, c'est un soir qui va marquer votre vie. Dans 15, dans 20, dans 30 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, vous allez vous souvenir de ce soir où Dieu vous a visité, où par son esprit, il va vous avoir rempli, où par son esprit, il vous aura délivré, où est-ce que ces chaînes qui voulaient devenir de plus en plus fortement attachées à vous, c'était comme des menottes qu'on met à des prisonniers. Mais ce soir, dans l'esprit et par l'autorité du nom de Jésus, je viens contre ces chaînes, ces esprits méchants qui s'étaient attachés à vous depuis quelques mois, quelques années, et je brise au nom de Jésus. Je commande à ce que vous soyez libérés entièrement, à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit en ce moment. Marasa les bras. Ah oui, parents, venez, prenez vos enfants dans vos bras. Enfants, allez vers vos parents. Si vous devez demander pardon, commencez à demander pardon pour la rébellion qui aurait pu s'installer en vous dans votre cœur. Commencez à vivre cette réconciliation en ce moment. Nous servons un Dieu de gloire, un Dieu du surnaturel, un Dieu du tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, il agit dans les maisons. Oh, que tu es bon, mon Dieu, envers cette jeune génération qui est bombardée de tous bords et de tous côtés. Tu ne l'as pas oublié, mais non, ta main s'étire sur eux ce soir, en ce moment. Oh, que tu es bon. Ma, les bros, solo, les bés, les bras, t'as les sauts. Ce soir est un soir marquant dans votre vie. Le Seigneur dit à travers le prophète Jérémie, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Mais quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes une vanité. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ce soir, si tu te reconnais dans ce passage, la faim, la soif de Dieu, le sérieux avec Dieu n'est plus là.
mais tu es devenu tellement familier, hautain, irrespectueux, désinvolte par rapport à la présence de Dieu et à tout ce qui touche à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, mais avant Israël était consacré, avant tu m'étais consacré, tu me cherchais, tu cherchais ma face, et Dieu se souvient de ces soirées consacrées où tu le cherchais. Même si ça n'a pas duré longtemps, pour certains plus longtemps, mais pour d'autres non, mais ces moments si chers au cœur de Dieu, Dieu s'en souvient. Et Dieu n'a pas oublié ton cœur pour lui. Et Dieu n'a pas oublié ton appel et ce que tu lui as dit. Et Dieu n'a pas oublié tes promesses à son égard, ce que tu lui as dit. Car tu as dit, Seigneur, si tu me touches, puisque tu m'as sauvé, j'irai. Je partagerai ton évangile. Je vivrai pour toi. Je me sanctifierai, je me mettrai à part. Mais le Seigneur dit, quelle injustice! Quelle injustice avez-vous trouvé en moi pour vous éloigner de moi? Qu'ai-je pu donc faire pour que tu t'éloignes de moi? Et tu dis encore ailleurs, ils se sont appuyés sur celui qui les frappait. Mais voici que le Seigneur te ramène à lui, celui qui prend soin de toi. Ce soir, reviens à lui. Ce soir, reviens à lui. Et abandonne tes citernes crevassées. Abandonne ses vanités. Et à quelqu'un qui voit sa vie devenir comme un puzzle qu'on défait, qui tombe à terre. Le Seigneur dit, mais cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment où il était en train de te conduire dans la bonne voie? Et maintenant, que fais-tu sur la route de l'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise que d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Depuis longtemps, j'avais brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne serai plus infidèle. Mais sur toute colline élevée, sur tout arbre verdoyant, tu te courbes comme une prostituée. Mais je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plant d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard? Et comment peux-tu dire, je ne me suis pas souillé? Reconnais ce que tu as fait. Et ce soir, Père, je prie que ces personnes puissent reconnaître ce qu'elles ont fait. Oui. Qu'il n'y ait plus rien de caché dans le secret au fond du cœur. Les choses cachées, les secrets impurs, les péchés qu'on a cachés, car toi tu vois au plus profond des cœurs, ô Dieu. Et je prie que ce soir, tu puisses te confesser à Dieu. Et je sais que quelqu'un doit crier dans sa maison en ce moment même. Voici mon péché. J'ai péché devant Dieu et j'ai péché devant toi.
Il y a un mari qui doit ce soir reconnaître son infidélité. Ne résiste pas à la présence du Saint-Esprit qui t'appelle à la vérité, à la droiture et à la justice. Car le Seigneur dit qu'une fois après avoir confessé, avoué tes transgressions, le Seigneur va t'amener dans une période de restauration et de guérison où tu pourras devenir une source de bénédiction. Mais regarde ta vie aujourd'hui, pour qui es-tu une source de bénédiction si ce n'est pour toi-même? Tu marches comme un égoïste, une égoïste. Tu n'as des yeux que pour toi et que tes propres intérêts. Mais ce soir, reviens au Seigneur et sois libéré. Épouse, époux, parents, alors que votre époux, votre épouse, vos enfants, ce soir, vous confessent ce qu'ils ont fait, soyez comme votre Père céleste, miséricordieux. Seigneur, il y a un mari maintenant qui confesse son adultère. Et tu les vois dans cette maison, dans cet endroit, dans cet appartement. Les pleurs, les larmes. Mais Père, garde-les. Garde-les. Garde-les, ô Dieu. Car si tu as donné cette parole et si tu nous amènes à la repentance, ce n'est pas pour nous enfouir dans les ténèbres, mais c'est pour nous amener dans la lumière, nous rendre admirables. Oui, toi l'admirable conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, miséricordieux, tu es juste, compatissant. Encore et encore, tu pardonnes et tu libères. Ce soir, tu pardonnes encore et tu libères, ô Dieu. Le joug qui pesait sur eux est brisé, ôté de dessus leurs épaules. Le marteau qui frappait leur dos est jeté à terre, brisé, anéanti. Par la repentance, Saint-Esprit, nous t'accueillons encore dans nos vies. Esprit Saint, Esprit Saint, dites-lui ce soir, quelle que soit votre condition spirituelle, même non-croyant, dites-lui, cette fois-ci avec foi, Saint-Esprit, me voici. Purifie-moi. Oui. Oui. Purifie-moi. Viens. Viens, purifie-moi. Rends-moi saint. Rends-moi saint pour toi. Ramène-moi de la voie d'où je m'étais égaré. Sois la voie de la vérité. Fais-moi marcher sur le chemin étroit, resserré qui mène à la vie. Purifie-moi. Oui. Purifie-moi. Dis-lui. Dis-lui. Purifie-moi. Purifie-moi. Je refuse d'être comme les pharisiens qui pensaient être tellement saints et pourtant si éloignés de ton cœur. Passé dans ce bureau doit être confessé. Ce qui s'est passé dans le secret, ce qui s'est passé dans cet hôtel, ce qui s'est passé à l'école,
ce qui s'est passé dans la chambre, ce qui s'est passé dans l'église doit être confessé. Car on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Mais tu es riche en miséricorde, Seigneur, pour celui qui vient à toi. Tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Car tu as porté tous nos péchés et toutes nos iniquités pour nous faire paraître devant toi juste, saint, purifié, et pour nous rendre zélés pour les œuvres bonnes. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Ce soir, le Seigneur veut remplir du Saint-Esprit. Après nous être déversés, après avoir confessé, après avoir rejeté ce qui nous éloignait de Dieu, il veut nous remplir à déborder de sa présence. Et nous parlons souvent du baptême du Saint-Esprit, comme si c'était une expérience, et ça l'est, et comme si ça s'arrêtait là. Mais il veut nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, un feu qui ne s'arrête pas. Et ce soir, le Seigneur va baptiser du Saint-Esprit et de feu plusieurs personnes. Et Dieu va baptiser aussi ses serviteurs d'un feu nouveau, par sa grâce. Ce n'est pas à cause de tes prières, ce n'est même pas à cause de ce que tu as pu faire dans le passé, ni même à cause de ta sainteté. Mais c'est par sa grâce, par ta soif. Dans son amour, il va le faire. Dans son amour, il va le faire. Ouais. On va maintenant écouter le pasteur Raoul Waffeau, qui va vous encourager à vous positionner dans la foi pour que ce soir, le Saint-Esprit se manifeste. On vous écoute, pasteur. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs sur la planète entière. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, Dieu nous aime et c'est... Nous devons nous en réjouir tous les jours de son amour à notre égard. Et il dit dans sa précieuse parole, « Mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. » Dieu veut t'accorder son royaume. Il veut t'accorder sa domination. Il veut te permettre de manifester son règne sur la terre des hommes. Il veut faire de toi un témoin fidèle dans ta génération. Eh bien, pour y parvenir pleinement, pour accomplir avec brio, avec succès, avec éclat le mandat divin qui est rattaché à ta vie et à ta destinée, il est indispensable de recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Eh bien, le Saint-Esprit est disponible pour chaque croyant, pour nous permettre de marcher dans toute la vérité et d'accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu qu'il a récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Eh bien, le Saint-Esprit est donc la dotation la plus extraordinaire, le cadeau le plus précieux, le don le plus excellent que Dieu ait pu faire aux hommes. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, justement en nous. Et quelle bonne nouvelle! Dieu en nous, notre corps devient ainsi le temple de son esprit. Et partout où nous allons, que ce soit au marché, que ce soit à la cuisine, que ce soit en avion, que ce soit en voiture, que ce soit en brousse, que ce soit en ville, nous transportons ainsi la présence de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Voyez-vous, mais Jésus a aussi dit, quand il est ressuscité des morts, il a demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre justement l'avènement de son esprit, parce qu'il y avait deux expériences fondamentales qu'il devait faire. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit, qui est manifesté par l'évidence du parler en langue, mais ensuite, le baptême de feu. C'est très important. Regardez dans Matthieu 3, 11 à 12, ce qui est écrit. Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Et ici, se tient comme une conjonction de coordination. Donc, on a le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Donc, c'est très important. Donc, chacun d'entre nous devrait faire les deux expériences. Les deux expériences. Être baptisé du Saint-Esprit et être baptisé du feu. Donc, il ne faut pas simplement s'attendre à parler en d'autres langues, mais il faut justement désirer être baptisé du feu de Dieu. Qu'est-ce que c'est le baptême du feu ? C'est l'expérience justement de ce feu en nous qui vient embraser, qui vient consumer notre moi, qui vient justement nous aider à marcher dans les voies du Seigneur, afin que nos rêves, nos ambitions soient mis à la croix. Ce feu descend, c'est ce feu qui nous donne d'être passionnés, d'avoir le zèle de la maison de Dieu qui nous dévore, qui nous consume et qui nous permet justement de vivre pour lui, de pouvoir renoncer au trône que nous promet Pharaon de notre génération, pour justement aller à la quête de la destinée que Dieu a tracée pour nous. Ça nous permet par ce feu d'embrasser justement le chemin de la croix. Et car Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est important d'être baptisé de feu. Quand on est baptisé de feu, on témoigne de Jésus, on parle de lui. Et le baptême du Saint-Esprit nous aide aussi à avoir une vie de prière intense, justement une vie d'adoration. On est amoureux de sa présence, on aime rester à ses pieds, c'est vraiment important. Et à partir de ce moment, cette expérience privée que nous faisons avec le Saint-Esprit nous transporte dans une autre dimension jouissive de la vie en Christ. Et ma prière pour toi, c'est que tu arrives à cette dimension de vie, à cette dimension de feu de Dieu, et qu'on le remarque dans ta maison, dans ton quartier, dans ton bureau, partout où tu arrives, que le feu de Christ consume, le zèle de sa maison, le courage et l'audace, justement, de parler de lui, de témoigner de Jésus. Oui, c'est comme Pierre, il a régné Jésus 3 fois, et le coq a chanté, il a pleuré, mais quand il a été rempli de Saint-Esprit et de feu, il s'est tenu, il a prophétisé, il a prêché l'évangile publiquement, il a dit, cet homme, voyez-vous, que vous avez crucifié, Jésus l'a fait Seigneur et Roi, Dieu l'a fait Seigneur et Roi, il parlait de Jésus, il a eu de l'audace, et je prie pour toi que cette audace divine te soit accordée au nom suprême de Jésus, et que tu ne sois pas de ces croyants qui sont tièdes, qui sont froids, non, mais c'est impérieux, indispensable, que tu sois en feu pour Dieu. Dieu a dit qu'il va vomir les tièdes et les froids. Donc, il ne faut pas faire partie de ceux qui sont tièdes, de ceux qui sont froids. Il faut être en feu, je dis bien en feu pour le Seigneur, le zèle de la maison, la passion de Dieu. C'est une autre dimension jouissive de la vie. Et mon désir, ma prière pour toi, c'est que tu en fasses pleinement l'expérience au nom suprême de Jésus. Eh bien, toute personne, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, si le désir est intense dans ton cœur, je te garantis, cette expérience est tienne. Tu vas justement expérimenter déjà le baptême du Saint-Esprit, mais aussi le baptême de feu. Et tu vas te rendre compte que ta vie de prière va prendre une accélération incroyable. Et ton courage d'annoncer Jésus-Christ dans ta génération pour que d'autres soient sauvés va s'amplifier. Car c'est ça justement une grâce que Dieu nous donne pour être des témoins véritables de Christ dans notre génération. Et ça, c'est extraordinaire. Eh bien, comment est-ce qu'on fait donc pour être baptisé du Saint-Esprit? Beaucoup de personnes pensent que bon, le baptême du Saint-Esprit se réservait à certains élitistes, certaines personnes que Dieu a choisies. Non. Eh bien, je vais montrer quelque chose dans la parole de Dieu, parce que toi aussi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Et je désire, je déclare, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu expérimentes le baptisé du Saint-Esprit et le baptême de feu. Dans cette génération perverse et pécheresse, on a besoin de personnes embrassées, des témoins vivants qui démontrent ainsi la gloire de Dieu dans leur génération. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi un troisième amen. Alléluia. Eh bien, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, nous l'avons aussi au travers de cette expérience fabuleuse. Celle du Saint-Esprit en nous. Acte 2, verset 1 à 4. Il était que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
voyez-vous. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans ce lieu, tous ceux qui étaient assis, tous ceux qui priaient, tous ceux qui attendaient ont reçu. Et je déclare sur ta vie qu'aujourd'hui, tous ceux qui attendent, tous ceux qui seront, justement, vont être remplis de cet esprit et vont parler en d'autres langues. Quelle fabuleuse expérience. Rindo Cabré Coré, Chatarabakota, Bronde, Charababori, Yakata. Je n'ai pas appris à l'école, je n'ai pas appris à l'université, je n'ai pas appris à l'église, je n'ai pas appris dans la rue. Je l'ai reçu de Dieu. C'est une expérience surnaturelle, une expérience extraordinaire, une expérience mystérieuse, une expérience dynamique. C'est juste waouh. Eh bien, il est donc important pour que nous comprenions que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut premièrement être né de nouveau. Il faut donc appartenir à la grande famille de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il ne faut pas simplement être de ceux qui vont à l'église, mais de ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De deux, il faut le demander. Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants qui vous demandent du pain, comment est-ce que Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous le lui demandiez? Donc, il faut le demander. Simplement, demande. Demande, il te sera donné. Si tu demandes, Dieu te le donnera. Et de trois, il faut croire. Il faut donc demander par la foi. Il faut demander par la foi. C'est très important. Il y a des endroits où on dit, on va vous apprendre à parler en langue, répéter après moi, ça c'est du folklore. Il faut juste croire. Et ensuite, le Saint-Esprit, voyez-vous, il va descendre sur toi. Et ça c'est important, tu dois te mettre à parler. Tu dois te mettre à parler. C'est pas le Saint-Esprit qui parlera à ta place. Tu dois te mettre à parler. Il placera sur ta langue des mots, des phrases. Tu vas les prononcer par la foi. Ne te dis pas, oh oui, mais attends, ça vient de moi-même, c'est Satan qui les donne. Non, c'est Dieu qui te les donne, mais tu dois ouvrir ta bouche. D'autres te disent, non, j'attends, le Saint-Esprit va venir ouvrir ma bouche. Non, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois collaborer avec Dieu. Ouvre ta bouche et commence à éclater en langue. Pour certains d'entre vous, c'est dans les toilettes, dans la douche, dans la chambre, au bureau, dans le taxi, dans la maison, dans votre voiture, en pleine rue. Vous l'avez demandé, même si à l'instant T, vous ne l'avez pas reçu, croyez simplement que vous l'avez reçu. Vous allez vous rendre compte au moment, paf, vous allez décoller. Moi, je me rappelle, je priais pour les gens qui pour recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant 2 ans en tant que ministre de Dieu. J'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je n'avais pas eu la foi de parler en d'autres langues. Parce que le parler en langue, c'est ce qui est l'évidence que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors je me disais, bon, il faut que le Saint-Esprit vienne lui-même parler. Et puis un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi je prie pour les gens, ils parlent en langue, je parle pas en langue. Le Seigneur m'a dit, tu manques de foi. Alors, je suis allé sur le balcon, c'était en Sierra Leone. J'ai levé les mains vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je crois et je reçois le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai éclaté en doglan, rindo chatarabababa, rindo rababori akataba. Et puis, alors, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, ils parleront d'autres langues, j'ai besoin d'autres langues. Et puis, paf, j'ai éclaté une autre langue. Rindorio, chanderio, cambron, dario, tandrebo, yandarabaho, tiketete. Et ça a duré des jours où je dormais, je me réveillais, j'étais en train de parler en langue. Et c'est là, dans cette période, que j'ai eu justement la direction en ce qui concerne la localisation territoriale pour le lieu de la mission. Dieu m'a dit Côte d'Ivoire. Donc c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue, parce que quand nous prions en langue, nous prions selon la volonté parfaite de Dieu. Ça surpasse notre intelligence. Nous demandons à Dieu, par le Saint-Esprit, exactement ce que Dieu veut qu'on demande pour justement l'accomplissement et l'avènement de son règne dans nos vies. Eh bien, que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce te soit intensifiée et multipliée. Eh bien, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, reçois-le maintenant pendant cette émission. Et il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura des restaurations, il y aura des directions, il y aura des instructions prophétiques. Je sais que Dieu va agir de façon puissante car ses serviteurs sont là pour rendre au ministère tangible de la part de Dieu. Ils sont des instruments entre les mains du Saint-Esprit pour ton bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Et bien, crois aussi, véritablement, que même si tu as besoin d'une guérison pendant ce ministère rendu, le Saint-Esprit descendra et tout ce qui n'est pas de Dieu sera éradiqué par son pouvoir souverain dans ta vie. Tu es appelé par Dieu pour mener une vie de gloire, une vie de succès, une vie de règne. Et le Saint-Esprit viendra donc t'y aider. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, tu vas voir, ton appétit pour la parole de Dieu va grandir. Ah, ton appétit pour les Écritures. Tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer sa présence. Tu n'auras plus à mettre cette faim de Dieu, cette soif de Dieu. Elle va s'intensifier par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Allez,
Que Dieu te bénisse abondamment. C'était le serviteur de Dieu que je suis pour toi, Ralouafou. On est ensemble et on se dit à la prochaine. À vous tous les spectateurs de EMCI, restez connectés sur cette chaîne. Suivez la suite de cette émission. Vous allez vivre des moments, du moins on vivra tous ensemble, des moments fabuleux dans sa présence. Allez, bye bye. Merci, merci Pasteur Wafo. La présence du Saint-Esprit vous accompagne et merci pour votre partage. Père, on te remercie pour ta parole. Ouais, tu n'as pas changé. Tu veux baptiser ton peuple du Saint-Esprit et de feu. Ce soir, tu nous vois chacun dans nos maisons, dans nos voitures. Mais avec quelque chose en commun, c'est que nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et c'est tellement extraordinaire, tellement merveilleux d'avoir été comme choisi, appelé. Tu t'es abaissé jusqu'à nous, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu n'as pas regardé Seigneur Jésus-Christ comme une proie arrachée, quelque chose à obtenir d'être égal à ton Père. Mais tu t'es humilié. Et tu t'es humilié. Tu as commencé dans l'humilité en te faisant baptiser par un homme. Tu as terminé dans l'humilité en lavant les pieds de tes disciples. Ce soir, enseigne-nous encore l'humilité alors que tu veux nous remplir. Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends. Dis-lui de tout ton cœur. Saint-Esprit, je m'attends.
ça sort de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Esprit impur, sors maintenant. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Et quelque chose à l'intérieur, tu en es libéré maintenant. Au nom de Jésus. Sois libéré dans tes branches. Sois libéré maintenant au nom dans tes poumons. Au nom de Jésus-Christ. Libre. 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 Oui, c'est un ennemi qui a fait cela. J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Sois libéré au nom de Jésus maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. J'ai tellement soif, Seigneur. Dis-lui ta soif, Saint-Esprit. S'il venait ce soir, si c'était le dernier soir, quelle grâce. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ce que je vis. Je veux plus de toi. Saint-Esprit, je m'attends. Dis-lui encore. À toi, que les larmes coulent, Saint-Esprit, je m'attends, à toi, dis-lui de tout ton cœur, Saint-Esprit, qu'il vienne et qu'il descende, je m'attends. Et qu'il transforme ta vie. Même si je ne vois pas. Oui. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Car tu es fidèle. Saint-Esprit, je m'attends. Que ces eaux pourront revivre? Oui, ils le pourront. Esprit des quatre vents, souffle sur nous. Souffle sur ton peuple, Esprit de Dieu. Souffle sur lui. Souffle. Remplis les cœurs. Remplis les bouches d'une huile nouvelle. Ô Esprit de Dieu. Oui, souffle. Souffle. Frères et sœurs, levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains vers le Seigneur. Et voilà.
envoyer le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit, saisissez. Saisissez, prenez dans la foi. Prenez, goûtez combien le Seigneur est bon. Oui, souffle. Oui, souffle. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur ma famille. Souffle sur mon église. Souffle sur cette région. Souffle sur mon pays. Souffle, ô Dieu. Esprit de Jésus-Christ. Oui, souffle. Souffle. Oui, souffle. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Extraordinaire Jésus-Christ. Il est si glorieux. Ouais. Si merveilleux. Le Seigneur est rempli de joie. Parce que son peuple est dans l'expectative. Il y a des centaines parmi vous de personnes. Vous n'avez pas été dans une telle attente de foi comme que vous l'êtes présentement. Et Dieu est sur le point de manifester sa grâce. Il y a une telle expectative. Vous avez invoqué le nom du Seigneur et il répondra. En ce moment, il y a quelqu'un qui frotte ou qui a des douleurs au niveau des chevilles. Soyez guéris au nom de Jésus. Maintenant, saisissez la guérison. Il y a des personnes au niveau du foie, il y a quelque chose au niveau du foie, soyez entièrement guéris dans le nom de Jésus. Il y a tout le long de la colonne vertébrale, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau, mais maintenant, l'Esprit de Dieu descend sur vous. Il y en avait qui c'était causé par des espèces d'envoûtement. C'était rattaché à de la magie qui avait été faite. Soyez libérés au nom de Jésus. Que toute douleur quitte votre corps. Quitte entièrement. Il y a même une personne qui avait parlé à Dieu. Comme quoi, si Dieu, tu fais telle ou telle chose, je vais maigrir physiquement. Je vais négliger ton corps. Et tu n'as pas été de l'avant avec cette parole. Et ce soir, le Seigneur te dit, ah, je suis rempli de miséricorde, rempli de grâce, mais je te rappelle la promesse, la parole que tu m'avais donnée. Commence dans cette direction. Je sens une expectative ce soir, c'est électrique. C'est explosif dans l'esprit. Et on va prier très bientôt pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes de feu. Et l'Esprit de Dieu agira. Je veux exhorter la vie de quelqu'un ce soir. Tu as connu le Seigneur comme dans l'Ancien Testament, il y avait la maison de Dieu, le tabernacle, mais tu es resté à l'extérieur. Tu es resté juste dans les parvis. Tu te disais, mais c'est agréable, c'est bien, c'est quelque chose, j'aime être ici, etc. Mais là, le Seigneur dit à quelqu'un que je veux te connaître plus. Je veux que tu entres dans mon temple. Je veux que tu viennes plus près de ma présence, de ma sainteté, plus près de là où est-ce qu'il y a le feu. Et tu vas entrer dans ce lieu. Et je parle d'une façon spirituelle ce soir pour que tu saisisses.
tu étais resté loin de sa présence. Tu croyais que c'était ça la vie chrétienne. Mais Dieu dit, entre dans mon temple. Et tu vas même pas rester seulement là, mais tu vas aller plus loin dans le Saint des Saints. Tu vas venir là où je demeure. Et là où je demeure, là où ma présence est à son plus fort, c'est là que tu vas goûter à quelque chose de nouveau avec moi. Tu t'étais tanné, tu t'étais fatigué de la vie chrétienne. Mais c'est ça la vie chrétienne. Mais ce soir, par la foi, tu t'approches de Dieu davantage. Et là, dans le lieu très saint, le voile a été déchiré. La présence de Dieu est ouverte à qui que ce soit. Celui qui dira « Je m'approcherai de lui avec foi. Je vais toucher le bord de son vêtement. » Wouhou! « Maloreba setale beyata. » Oh, ma lebo c'était, c'est ça que j'ai dit, une expectative dans l'heure. Quelqu'un a besoin de poser sa main sur l'écran, là où tu es, là où qu'est-ce que tu suis, que sur ton téléphone, ou un pan, un écran de télévision, tu poses ta main par la foi. Et l'Esprit du Seigneur te saisit. Oui, sois saisi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois saisi là où tu es. Oui, le Seigneur répond à la foi qui est manifestée. Il ne peut rien faire d'autre que d'obéir à ce qu'il a dit lui-même dans sa parole. Il a dit, celui qui va s'approcher de moi, je m'approcherai de lui. Celui qui va venir toucher le bord de mon vêtement, il va saisir une grâce particulière. Au nom de Jésus, sois visité là où tu es. Que cette guérison se manifeste. Oh, le Seigneur attend quelqu'un dans l'intimité. Le Seigneur attend quelqu'un, comme dans le livre des cantiques. Oh, son cœur bat pour toi, et ton cœur doit battre davantage pour lui. Tu vas voir ton bien-aimé, et tout en toi va jaillir. Avant ce live, je pensais au Seigneur. Et dans mon esprit, quelque chose a jailli en moi. Mal et soto, que je l'aime. Ah, quelqu'un vit une nouvelle profondeur avec lui ce soir. Ce soir, c'est ton partage. Tu retenais les larmes sont versées. Les larmes remplies et se déversent sur ses beaux pieds, ses pieds de gloire. Même que sa robe, le pan de sa robe majestueuse de roi des rois remplit le lieu où tu es. Et il te visite. Il y a une nouvelle profondeur pour toi ce soir, mon frère, qui croyait que c'était réservé aux autres. Tu te disais, c'est pour les femmes, c'est pour ceux qui sont élevés dans le ministère, c'est pour ceux qui... C'est faux. J'ai, Frank Poulin, découvert l'amoureux de mon âme comme jamais auparavant. Et je veux jamais arrêter de toute ma vie jusqu'au jour où mes yeux le verront face à face, où je verrai de mes yeux, dans ses yeux, ces flammes de feu qui brûlent pour moi. Je ne veux cesser d'arrêter de l'aimer de plus en plus. De tout mon cœur, je veux l'aimer. Que ceci soit ta prière ce soir. Que ceci soit ta prière ce soir. Ce soir est un soir de réveil. Là où est-ce que c'était somnolent, l'Esprit de Dieu vient ranimer la flamme. Que cette flamme soit ranimée. Je souffle sur ces braises. Que ce feu qui s'était éteint soit rallumé. Oh, les mâles aux bras, c'est les obos, son mât. Il y a une adoration qui sort de la bouche de des gens ce soir, en ce moment.
C'est une adoration en langue. Ce sont des langues nouvelles que vous dites. Vous n'avez jamais parlé ces langues. Ce sont des langues nouvelles. C'est une adoration en esprit et en vérité. Ce sont des grognements qui sortent du plus profond de vous. Eh, Mahaos, eh. Relamasokalasa. Oh, que nous t'aimons, Seigneur. Que nous t'aimons. Nous refusons. Continue à élever vers Dieu ces grognements dont Frank vient de parler. Continue à crier à Dieu. Et pour toutes les personnes qui avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui est en train de parler de nouvelles langues, continuez là où vous êtes. Koriabasan tariaman taleesha. Likataya baba sokataya. Alors que vous priez encore, il y a ce feu qui s'allume, il y a ce feu qui s'embrase à l'intérieur de vous. L'intaria baba shekeya baba soto. Likataya baba shata. Même si c'est une syllabe, continue. L'itaria bayo sokotolo brenta. Likateye shekeya baba yo sokataya baba. Laisse que ce feu monte encore, monte encore, monte encore. Sheketa ya baba ye sekete de bebe. Loko ya baba ye ntari ya baba. Lekata ya baba bo sakata ya baba. Likata ya baba shakata ya baba yo. Limtori yo bobo sheke ya baba ye. Oskonto no pranta. Likata ya baba ya sante le bro shekete. No sakata ya baba. Feu de Dieu rempli. Shanta ya baba sokata ya. Esprit de Dieu, touche l'intoriobo sokataya baba shata. Esprit de Dieu, touche, touche, touche. Remplis maintenant, cher Saint-Esprit. Koriaba sokataya baba. L'intaria baba shata. Baptise de feu. Baptise de feu. L'intoria baba sheketaya baba. Lokataya bayo sontolo brentana mai de shanta. Feu de Dieu, nous t'invoquons. Dieu, nous t'invoquons. Likata yaba shakata. Descends maintenant. Descends maintenant dans cette maison. Descends maintenant dans ce cœur. Descends maintenant. Lintari yaba shata yaba baba. Losokata yaba baba shante de boshata. Losakata ya. Que tes œuvres soient manifestes. Kor yaba shante yaba yosoka. Que ton cœur maintienne cette soif. Dieu répond à la soif. Que ton cœur garde. Soif, Kinsaria Baba Shantaya, Losakataya Baba Sheketaya, Osokataya Baba Baba Sheketaria Baba, Osakataya Baba. Merci Seigneur pour ces langues de feu qui descendent de Koria Bashataya, Osantaya Baba Sonto Prochete, Lintaria Bayo Sokataya Baba Yes. Il y a quelque chose, je dois quand même vous dire quelque chose que le Seigneur met sur mon cœur ce soir. Alors que le Saint-Esprit se déploie, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans la vie des personnes aujourd'hui. Il y a des cœurs qui seront touchés. Il y a même des guérisons qui ont déjà eu lieu. Il y a des personnes, vous êtes en train de parler. Il y a des liens qui ont été brisés déjà ce soir. Et ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit va continuer son œuvre alors qu'on est ici en train de prier ensemble. Mais il y a une chose qui est tellement importante. Alors qu'on a choisi de s'attacher au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de lui à cause des bénédictions, à cause des grâces. C'est la bénédiction que tu as reçue, la guérison que tu as reçue, qui t'a fait dire à Dieu, bye bye, au revoir. J'ai pris tout ce que j'avais à apprendre. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Il y a des personnes, il y a des portes qui se sont ouvertes dans vos vies. Ces portes, c'était vraiment des grosses percées que vous avez reçues. Et alors que vous avez reçu ces percées, vous avez fermé la porte à Dieu. Vous êtes devenu trop occupé. La bénédiction a pris toute la place. Tout l'espace que Dieu pouvait prendre a été donné à la bénédiction. Ce soir, c'est aussi une soirée d'engagement vis-à-vis du Saint-Esprit. C'est une soirée où on veut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, tu fais des choses excellentes dans ma vie. Ce soir, tu m'as guéri. Ce soir, j'ai vu ton sceau, ton toucher. Mais je refuse de prendre la bénédiction et te laisser de côté.
C'est une soirée d'engagement où on veut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es plus important que la bénédiction. Tu es plus important que la grâce que je reçois dans ma vie aujourd'hui. Tu es plus important que toutes les portes qui s'ouvrent devant moi aujourd'hui. Je ne prendrai pas ma santé et je m'en irai loin de toi. Je ne prendrai pas ce que mon cœur te demande aujourd'hui et je m'en irai loin de toi. Mais aujourd'hui, je m'engage à rester attaché à toi. Je m'engage à être connecté à toi, à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je m'engage, cher Saint-Esprit, à te rechercher dans toutes mes voies. Je ne laisserai pas quelque chose voler ta place. Je ne laisserai pas quelque chose prendre le dessus. Là où tu es, est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit avec tes propres mots? Dis-lui, il y a des choses auxquelles tu tiens. Il y a des choses qui ont gagné du terrain dans ton cœur. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, ces choses-là, je les mets de côté pour embrasser ta personne, pour passer ces temps de cœur à cœur avec toi, pour être au plus près de toi que je n'ai jamais été. Et ces choses pour lesquelles tu as prié ce soir et que le Saint-Esprit t'a donné, c'est aussi le temps de lui dire, Seigneur, ces choses ne voleront pas la place, ta place dans mon cœur. Esprit de Dieu, entends le cœur de tes enfants. Entends ces cris, Père éternel, qui s'élèvent vers toi ce soir. Entends ces cœurs qui ont décidé de te donner toute la place dans leur vie, de te prioriser envers et contre tout. Esprit de Dieu, sois celui-là dans nos cœurs. Sois ce bien-aimé, cher Saint-Esprit. Sois cet amour vivant. Sois cet amour puissant. Sois cet amour vrai, Seigneur. Sois cet intime de notre cœur. Seigneur, nous refusons que des choses prennent ta place dans nos vies. Nous refusons que tes grâces, tes propres grâces, prennent plus de place que toi dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous t'ouvrons nos cœurs passionnément. Nous t'ouvrons nos cœurs pleinement. Et nous décidons de vivre cette intimité. Nous décidons de vivre ce cœur à cœur avec toi. Nous décidons de vivre cet attachement, cet amour sans précédent. Nous décidons de faire de toi le délice de notre cœur. Nous décidons de trouver notre plaisir en toi, notre joie en toi. Tu seras notre seul trésor. Notre cœur sera tourné vers toi, Seigneur. Père, nous refusons que des bénédictions deviennent plus importantes que toi. Nous refusons qu'un statut devienne plus important que toi. Tu seras notre bien-aimé, Seigneur. Tu seras celui que nous chérissons. Celui que nous aimons passionnément, alors que nous nous réveillons le matin, Père éternel, nos yeux sont sur toi. Alors que nous marchons tout au long de la journée, nos yeux sont sur toi. Tu seras notre focus, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, Esprit de Dieu. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Tu es la vie que notre âme recherche. Derrière, Seigneur, nos soupirs, c'est à toi que nous crions. Derrière la poursuite de cette chose, en fait, c'est toi que nous cherchons. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Et là, celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, or ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Et il me dit, « Fils d'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Saint-Esprit, c'est toi qui le sais. Mais il me dit, prophétise sur ces eaux. Et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je parle à ces eaux, ossements desséchés. Reprenez vie. Reprenez vie. Reprenez vie. Là où c'était sec, là où c'était sans espoir, là où c'était le malheur, l'angoisse, la destruction et la désolation, là où c'était l'agonie, l'apitoiement, là où il n'y avait plus de force, là où étaient les douleurs, là où sont tombées les larmes, là où ont été entendus les cris de désespoir. Esprit des quatre vents, oui, souffle. Ossements desséchés, reprenez vie. Écoutez la parole de l'Éternel. Reprenez vie. Reprenez vie. Reprenez vie. Il y a des maladies cruelles. Et ce soir, le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit ce soir de la drépanocytose. Le Seigneur guérit ce soir du cancer. Le Seigneur ôte les tumeurs par son esprit alors que la vie reprend. Le Seigneur te libère. Remercie-le. Les règles douloureuses, c'est terminé. Ossements desséchés, reprenez vie. Là où il y avait la mort, reprenez vie. Les problèmes cardiaques, c'est terminé. Dysfonctionnement hormonal, hormonaux, c'est terminé. Les problèmes au bas du ventre, personne, vous avez des problèmes là au bas du ventre, c'est guéri maintenant. Les taches disparaissent, les grosseurs s'en vont. Au nom de Jésus-Christ. Les oreilles qui n'entendaient plus, maintenant sont débouchées. Libre. Libre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Les personnes qui étaient tout le temps malades, le moindre virus, et vous l'attrapez, soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit.
Oui, déclare-le. Je suis guéri. Je suis guéri. Problème de thyroïde, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Maintenant, les maux de crâne, les migraines qui reviennent constamment, ça cesse. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Et je prophétise. Je suis guéri. Un esprit de prière. Je suis guéri. Un esprit de prière. Nouveau. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria. Mais il pria. Et je prophétise sur ta vie une nouvelle dimension dans l'esprit, dans ta vie de prière. Reprends vie. Reprends vie. Tu reprends vie. Tu reprends vie. Ouais. Il y a des douleurs. Je vois des gens qui souffrent. Et si ce n'était pas Dieu, il n'y aurait pas d'espoir. Humainement, c'est impossible. Qui peut sonder le cœur de l'homme? Qui peut toucher là où personne ne peut toucher? Qui peut guérir ce qui est incurable? Qui peut guérir les cœurs brisés? Si ce n'est notre Dieu, il guérit, il libère, il fait sortir de la fosse celui qui a été accablé dans les ténèbres. Et il le libère, il l'amène à la lumière. Il ressuscite le mort. Il relève l'opprimé. Il relâche les prisonniers. Il fait sortir des cachots ceux qui étaient captifs. Il guérit encore le malade. Il rachète le perdu. Il redonne la vie aux morts. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Reprenez vie. Reprenez vie. Reprenez vie. Là où il y avait la mort, c'est maintenant la vie. Et ça coule, ça coule, ça coule. Là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir renaît. Le cœur brisé guéri. Oui, remplis-moi, remplis-moi. De ta paix, de ton amour. Ouvre les portes des cieux, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Quand tu le fais, Seigneur, ouvre les portes, remplis-nous. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous avons un beau et glorieux Sauveur. Là où tu es, ferme les yeux et vois celui qui nous a tant aimés, qui a été frappé, flagellé, les coups de fouet arrachaient sa peau. Oh, mais Jérémy Aurélie, il était beau. Il était beau comme ça, parce qu'il faisait ça pour nous. Les hommes ont regardé vers lui et se sont moqués de lui. Mais c'était pour nous qu'il a porté et qu'il a subi ces choses. Il a été élevé sur cette croix. Ses mains ont été clouées. Son visage n'était même pas reconnaissable. Mais ce sont pour nous qu'il a fait et qu'il a porté et qu'il a vécu ces choses. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et maintenant, j'interpelle et j'appelle le cœur de ceux qui vous regardez cette émission. Et vous n'avez jamais vu Jésus comme étant beau. Vous n'avez jamais pensé à lui comme étant glorieux, malgré le mépris que les hommes ont eu pour lui. Sache-le, aujourd'hui, il est vivant. Et il reviendra très bientôt. Il reviendra chercher son épouse. Et sache-le, le jour où un homme meurt, c'est soit au ciel qu'il va, c'est soit en enfer qu'il descend. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucun temps pour s'arranger avec lui une fois qu'on va être rendu là. Et ce soir, la conviction du Saint-Esprit est là sur vous. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous devez lui donner votre vie. Vous devez arrêter de résister. Vous devez cesser de vivre votre vie comme bon vous semble, de faire tout ce qu'il vous tente et de vous dire « Je ferai la paix avec lui le jour où je serai sur mon lit de mort » parce que tu ne sais jamais quand il reviendra. Tu ne sais jamais ce qui t'arrivera demain. Aujourd'hui, j'interpelle quelqu'un. Fais la paix avec Dieu. Viens à lui tel que tu es. Il a porté tes péchés à ta place afin que tu n'aies pas à être jugé par Dieu. Un jour, tout homme, toute femme, toute personne qui aura vécu sur cette terre aura à rendre des comptes à Dieu. Mais aujourd'hui, la grâce et l'amour de Dieu s'étendent vers toi. C'est à toi de lui dire, « Oui, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur en ce jour, en ce moment. Je veux faire la paix avec toi. J'ai assez résisté à ta main qui a été sur ma vie. Tu as grandi dans l'Église. » Pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau ce que vous entendez ce soir, mais Dieu vous aime tellement que sa main est là sur votre vie en ce moment. Vous résistez
à la conviction qui est là. Vous savez que vous devez faire la paix avec lui. Mais là, ce soir, tu dois laisser tomber l'orgueil spirituel qui est là dans ta vie. Tu dois t'humilier devant lui et faire comme j'ai dû faire et dire, « Dieu, je t'accepte dans ma vie. Sois le roi, sois le Seigneur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais ce soir, je veux me coucher dans mon lit avec aucune condamnation dans mes pensées, aucune condamnation qui va peser contre moi. Je veux m'endormir ce soir, le cœur léger et le cœur en paix. Je décide de faire la paix avec toi ce soir. Et si c'est la première fois que tu décides de faire ce pas vers Dieu, nous voulons vous aider. Et je vous demande tout simplement d'écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran et de nous laisser savoir pour qu'on puisse être en contact avec vous, qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse vous aider dans vos premiers pas avec lui. Seigneur, on veut te remercier pour ton action. On veut te remercier de ce que tu es allé sur la croix à notre place, Jésus. Et je veux te bénir, Seigneur Jésus, et te remercier pour la famille de Dieu qui s'est agrandie ce soir à travers toute la francophonie, pour les âmes qui se tournent vers toi. Seigneur, nous te remercions. David s'était échappé de la présence de Saül qui voulait le tuer. Et il s'est rendu près de Samuel à Rama, à un endroit qu'on appelait les Naïot. C'était l'endroit où se trouvaient les prophètes de Dieu, l'endroit où se trouvait la présence de Dieu. Et c'est là que David s'est réfugié. On le rapporta à Saül en disant, « Voici que David est au Naïot, à Rama. » Saül envoya des émissaires pour prendre David. Ils virent un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu fut sur les émissaires de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On le rapporta à Saül, qui envoya d'autres émissaires, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, et arrivé à la grande citerne, qui est à ses coups, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont au Naïot, à Rama. De là, il se dirigea vers les Naïot, à Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée au Naïot, à Rama. Lui aussi ôta ses vêtements et lui aussi prophétisa devant Samuel. Il tomba prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsque le Saint-Esprit est dans un endroit, lorsqu'il y a là les prophètes de l'Éternel, lorsqu'il y a là un endroit, une maison qui laisse place à la présence du Saint-Esprit, lorsqu'il y a là un endroit, l'habitation du prophète de Dieu, l'habitation de l'amoureux de Dieu, l'habitation de celui qui vit pour Dieu, l'habitation de l'assoiffé de Dieu, il y a là un endroit propice à la présence du Saint-Esprit. Que se passe-t-il? La présence du Saint-Esprit se manifeste, elle transforme, elle change. La place, l'endroit est bouleversé.
parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a un peuple, parce qu'il y a une famille qui a laissé la place au Saint-Esprit. Et on peut s'appeler Saül, on peut s'appeler émissaire ceci, envoyé cela. On peut venir de telle ou telle région. Mais quand on commence à toucher à la présence du Saint-Esprit, si on a voulu fuir à Dieu, fuir de Dieu, mais qu'on se retrouve là, au Nayot, à Rama, dans l'habitation de Dieu, tout à coup il se passe quelque chose. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où il n'y avait plus de prophétie, là où il n'y avait plus d'avenir, il y a une prophétie, il y a un oracle, il y a une parole de Dieu, il y a un décret de la part du Seigneur. Et lorsque nous devenons l'habitation du Saint-Esprit, lorsque nos maisons sont propices, un endroit agréable à la présence du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Nous devenons ce par qui le Seigneur passe pour toucher d'autres personnes. Les émissaires se sont retrouvés au mauvais endroit et ils ont vécu ce qu'ils n'attendaient pas. La glorieuse présence du Saint-Esprit les a touchés là. Ce n'étaient pas des prophètes, c'était des hommes comme tout le monde. Chacun dans leur vie, leurs expériences, leurs difficultés, leurs réalités, leurs circonstances. Mais ils se sont trouvés au mauvais endroit et là, ils se sont mis à prophétiser. Et ils ont été transformés. Et la deuxième expédition, pareil. La troisième expédition, pareil. Et Saül lui-même qui est plein de haine. Celui qui a tué les serviteurs de Dieu. Qui a ouvert une porte si grande à l'ennemi. Se retrouve lui aussi au mauvais endroit. Et il se met à prophétiser. Il goûte à une dimension à laquelle il n'avait jamais goûté. La dimension de la gloire de Dieu. Et ce soir, mon frère, ma sœur, si Dieu, si le Saint-Esprit a pu saisir de telles personnes qui venaient pour tuer le oin de Dieu, si Dieu a pu remplir du Saint-Esprit des personnes qui n'en avaient que faire de lui, si Dieu a pu revêtir Saül, qui venait pour tuer David, à combien plus forte raison, vous qui avez soif de Dieu, vous qui l'aimez malgré vos défauts, mais votre cœur est à lui, il veut vous remplir à déborder du Saint-Esprit, afin que vous puissiez prophétiser, afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter du fruit et du fruit qui demeure. Et il veut faire de vous ce qu'il a toujours voulu, une flamme de feu au milieu de cette génération perdue, incrédule et perverse. Des témoins qui brillent, un flambeau qui brille dans ce monde perdu, au milieu de cette génération qui n'en a rien à faire, rien à faire de Dieu. Deviens un témoin au nom de Jésus-Christ, que le feu touche ta vie, que le feu touche ta maison et qu'il te bouleverse à tout jamais. Mets-toi à prophétiser, ouvre ta bouche pour ceux qui n'ont pas de bouche, ouvre ta bouche pour les délaissés, pour les mépriser, pour ceux qu'on a rejetés, pour les incrédules de ce siècle, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé avec l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ, que l'homme spirituel puisse prendre place et que la vie de Dieu coule à travers toi. Deviens un témoin au milieu de cette génération perdue et que le feu de Dieu bouleverse.
passe ta vie maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Dis-lui, c'est moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Je réalise que je ne suis pas pire que Saül. Saint-Esprit, c'est moi. Je suis un candidat. Remplis ma vie. Remplis ma bouche. Remplis mon cœur. Remplis ma maison. Remplis ma famille. Remplis mes enfants. Remplis ma vie, oh Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par force, ni par puissance. Ils étaient là dans la chambre haute. Ils étaient là assidûment, avec assiduité, jour après jour. Et ils ont attendu, et ils ont espéré, et ils ont désiré, et ils étaient assoiffés après la présence du Saint-Esprit jusqu'au jour où il y a eu un bruit. Et un murmure. Est-ce que tu as soif de moi? Est-ce que tu as soif de moi? Est-ce que tu as soif de moi? Dis le Seigneur. Est-ce que tu as soif de moi? Toi, Seigneur, je veux tout abandonner. Pour toi, Seigneur, je veux tout abandonner. Alors je t'emploierai à mon service. Je ferai de toi une flamme de feu. Je serai avec toi partout où tu iras. Si tu t'attaches à moi, si tu me cherches et si tu cherches ma face, tu ne manqueras de rien. Tu deviens une flamme. Tu deviens une flamme et un feu. Un feu. Saint-Esprit, envoie ton feu sur tes serviteurs. Envoie ton feu sur ces assoiffés. Envoie ton feu sur ces hommes et sur ces femmes, mes frères et mes sœurs, que tu connais par leur nom. Tu fais d'eux une flamme de feu et tu cherches des cœurs tout entiers à toi. Tout entier. Mon frère, ma sœur, ne garde rien. Je t'en prie. Ne laisse rien. Rien pour toi et tout pour lui. Ne garde rien. Ne fais pas comme Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit et qui ont fait croire qu'ils donnaient tout alors qu'ils gardaient le meilleur. Donne-lui tout ce soir et deviens cette flamme de feu, ce buisson ardent qui ne se consume pas, qui ne s'éteint pas, qui ne s'arrête pas de brûler. Afin que les premiers émissaires soient remplis du Saint-Esprit et la seconde troupe et la troisième famille
Sois rempli du Saint-Esprit, afin que tes pires ennemis soient aussi remplis du Saint-Esprit. Mets sur eux, ô Dieu, des charbons ardents, non de jugement, car tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais un feu purificateur qui les purifie de l'intérieur et qui les sauve. Oui. Tu fais de nous, Père, des partisans de paix qui amènent la paix et la joie. Et quelqu'un qui n'avait pas ri depuis des années, maintenant, est touché par la joie du Seigneur. Tu ris, tu ris, tu ris, tu ris, et tu es libéré maintenant. 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 Laisse-toi aller, laisse-toi toucher, laisse-toi saisir par lui. Laisse-toi envahir par lui, tu as trop contrôlé, trop contrôlé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent réveillés. Et parce qu'ils se tinrent réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Et ils sont restés jusqu'au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus. Mais là, alors qu'ils sont restés épuisés, fatigués, ne quitte pas la présence de Dieu quand elle est là, quand elle est particulière sur toi. Quand Dieu te fait la grâce inouïe d'être dans sa présence, qui sommes-nous pour qu'il vienne à nous? Mais quand il te fait cette grâce, reste, reste, ne pars pas. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. La religion, c'est tellement dur. On n'est jamais assez parfait. On n'est jamais assez bien. On est comme un homme dans le désert et c'est sec et c'est dur. Et on cherche la goutte d'eau comme le riche dans le séjour des morts en enfer avec Lazare qui désespère après une goutte d'eau et qui dit à Lazare, mais dis à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et juste me donner une goutte d'eau. Ça, c'est la religion. Les miettes qui tombent de la table, suffisantes, certes, pour le miracle. Mais nous sommes les fils de la promesse, les enfants de Dieu, les amis de l'époux. Et Dieu veut nous faire entrer dans la nuée. Dieu veut nous remplir. Jérémie, quand tu parlais tantôt, quand tu as lu le passage avec Pierre, tu viens de le dire, hein, mais je veux vraiment renchérir, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle dimension.
qui attend les personnes qui sont connectées, vous qui êtes connectées et qui avez décidé de donner toute cette place au Saint-Esprit dans votre vie, de la même manière qu'il y a eu la transfiguration avec Jésus-Christ qui était complètement dans une autre dimension, alors que les disciples étaient là et qui disaient « Ah, il est bon d'être ici ». Nous-mêmes, on peut vivre cette dimension-là, en fait. C'est une dimension de prière dans laquelle on est vraiment sur les nuées. On est dans d'autres sphères, des sphères là où c'est régi par le royaume de Dieu directement. Et vraiment, alors que vous avez décidé là, comme ça, de dire « Saint-Esprit, je veux vraiment que tu prennes toute la place dans ma vie et je veux avoir cette relation de qualité avec toi », je crois vraiment que le Seigneur vous conduit dans des dimensions élevées. Vraiment, votre vie de prière a changé aujourd'hui. C'est sûr et c'est certain. Votre vie de prière a changé. Désormais, quand vous ouvrez la bouche pour connecter à votre bien-aimé, mais vous verrez que des choses extraordinaires se passent et vous n'allez plus jamais vivre la présence de Dieu comme vous viviez auparavant. Là où c'était sec hier, sachez que des fleuves d'eau vive sont sortis aujourd'hui. Là où hier encore c'était difficile, là où vous ne pouviez même pas passer 10 minutes, 15 minutes avec Dieu, sachez qu'aujourd'hui, parce que vous avez décidé de connecter avec l'Esprit de Dieu, vous allez passer des heures, vous ne verrez même pas le temps passer, tellement cette présence de Dieu viendra sur vous, vous envahira de cet amour vraiment. C'est tellement bon la présence de Dieu et c'est ces choses extraordinaires que vous allez découvrir et vous pourrez dire comme les disciples, c'est bon d'être ici, c'est bon d'être dans cette présence. Amen. Soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Que ça descende sur vous. Là où vous êtes. Vous ouvrez la bouche et vous commencez à parler ces nouvelles langues. Vous allez témoigner d'une façon nouvelle avec la puissance et l'efficacité du Saint-Esprit qui va reposer sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, saisissez la grâce de Dieu par la foi. Oui. Elle descend sur vous. Au son de ma voix. Oui. Vous étiez dans l'expectative et là, ça se manifeste. Amen. Mali bra solo le bon ma bobo le bai balo prele lui salo mita ila yamata. Vous êtes remplis et débordés. Des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Le Seigneur a vu votre cœur, a vu votre désir et il répond en ce moment. Arrole bolo braso lo bressa yale bricalasa. C'est un envahissement de la présence de Dieu en ce moment là où vous êtes. Soyez remplis, 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 remplis. Malabaye so. C'est même physique. Vous transpirez, la présence de Dieu est là. Vous le sentez dans votre être tout entier. J'en vois, vous êtes là et vous avez les... Non, et vous résistez. Maintenant, soyez remplis. Que la résistance tombe dans vos vies. Oui, soyez remplis. Léo Bolo Brazza, la balle, c'était le moment que vous vous attendiez à vivre ce soir. C'est en ce moment que ça se passe. Léo Bolo Brazza, le Brazzata, l'Italo Brazzata. Libre du poids du joug religieux. Au nom de Jésus-Christ, je brise les paroles de malédiction. Je brise les paroles qui ont amené la désolation spirituelle, la sécheresse spirituelle, les paroles qui ont amené à rester bloqué, à être bloqué au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es libéré, libéré de l'emprise de la religion.
et tu es libre ce soir, cette nuit. Relâche ces paroles. Parle ces paroles. La Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Qui s'est mis à parler en d'autres langues? Non pas le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Mets-toi maintenant à parler en d'autres langues. Libère ces paroles. Ce n'est pas Dieu qui va bouger ta bouche et faire sortir un son. Il t'a donné le pouvoir d'émettre des sons et de bouger ta bouche, ta langue. Mais maintenant, reçois et libère ces paroles. Yes, yes, yes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Mets-toi à parler maintenant ces syllabes, ces paroles que tu ne comprends pas. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons et nous aspirons tous ensemble de même cœur en ce moment à vivre les dons de l'Esprit comme jamais auparavant. Seigneur, je prie que maintenant des hommes et des femmes prophétisent dans leur maison. Je prie qu'il y ait des paroles de connaissance, que ce soit révélation par songe dès cette nuit. Je prie que le don des guérisons soit manifesté. Je prie, Seigneur, que l'interprétation des langues se manifeste. Je prie que le don des miracles soit en opération au nom de Jésus. Mais maintenant, pour ceux qui ont besoin de la touche du miracle dans leur vie. Recevez ce dont vous avez de besoin maintenant au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu se manifeste sur vous. Les bites s'envolent. La pluie de Dieu descend. La pluie de Dieu descend. Oui. La pluie de Dieu descend. Oh la mot, c'est beau, lolo, lolé, les bas, les bros, solo, les babés, les bros, soto, lo, babassa. Tout ce qui est cancer, tumeur, grosseur. Wow. Tout ce qui vient de la pourriture, des souillures maintenant, c'est effacé, c'est lavé. Lavé, lavé, lavé. Et à plusieurs personnes, ça va être progressif dans les prochains jours. Et vous allez voir et réaliser comment le Seigneur est bon. Mais c'est maintenant, par contre, la foi. Oui. C'est maintenant que vous recevez. Jésus a dit, croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et à plusieurs personnes, vous allez voir, ça part, ça diminue, ça s'en va. Ce n'est plus là. Il y a des malédictions qui prennent du temps. Dieu avait dit à Adam, mourant, tu mourras. Et ce processus de mort, même s'il y a eu un impact direct, a pris du temps au point où un jour Adam est mort, très âgé. Et il y a des bénédictions qui se manifestent avec un peu de temps, comme le salut, qui vient d'un seul coup, mais qui sera plein et entier lorsque notre corps sera transformé. Et de la même façon, parfois, c'est sur le chemin que la guérison se manifeste. Elle vient ici, sur cette terre. Elle vient maintenant. Elle se reçoit maintenant. Mais trop souvent, on a cru ne pas avoir reçu parce qu'on n'a pas vu, et ça, c'est faux. Parce que nous marchons par la foi. Alors recevez maintenant et croyez que vous avez reçu au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, vous avez, par vos paroles et par le fait d'avoir été voir des personnes qui pratiquaient la sorcellerie, la magie, la divination. Et les gens peuvent penser que c'est beaucoup en Afrique ou je ne sais où. Mais vous êtes en Europe, vous êtes au Canada. Vous avez été voir des personnes comme cela dans le passé. Il y a eu des paroles de malédiction qui sont même sorties de votre propre bouche. Et là, en ce moment, on va détruire ces paroles. Vous allez renoncer à ces paroles que vous avez dites vous-même. Vous allez renverser ces paroles par la foi. Peu importe qu'est-ce qu'elle était, que ce soit que vous alliez mourir très jeune, que ce soit que vous alliez être toujours pauvre parce que ça l'a toujours été comme ça, peu importe c'était quoi la parole, vous allez la renverser en ce moment. Au nom de Jésus, vous allez dire, je renverse cette chose dans ma vie que j'ai dit. Et vous allez dire cette chose et vous la renversez par la foi.
et la bénédiction de Dieu va s'en suivre. Il va y avoir une délivrance. Et même les nuits vont être différentes. Vous allez dormir mieux. Il y avait des chaînes qui étaient là rattachées à des choses de magie. Et ça va être brisé au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sur satellite, si vous suivez sur satellite, je vous invite soit à aller rejoindre YouTube ou simplement, je vous bénis vraiment. J'ai à cœur qu'on puisse rester encore quelques minutes juste avec un instrumental et je veux remercier vraiment tous les partenaires parce que de telles productions, des lives comme ça sont disponibles grâce à vous. Et si vous souhaitez rejoindre cette famille des partenaires, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui s'affiche maintenant. On vous bénit vraiment au nom de Jésus-Christ. Merci, famille des partenaires. Oui. Vous êtes vraiment dans nos cœurs. On parle souvent de nous, de vous ici, quand on est entre nous et on vous bénit, on prie pour vous. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes sur YouTube, restez encore un peu avec nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. On va juste rester quelques minutes. Et je sais que plusieurs, il est tard. Hein. Il est bientôt minuit. Pour d'autres, il est déjà minuit. Et je voudrais qu'on reste encore 10 minutes. Juste avec le piano, le violoncelle. Juste dans sa présence. Oui. Juste profiter. Des fois, on est trop pressé. Ce soir, on n'a pas envie de l'être. Alors, je vais me taire. Et lui, il va continuer de parler. Et pendant ces 10 minutes, attendez-vous à recevoir une instruction, une parole, une direction, une image, un verset. Et juste rester avec lui comme les disciples étaient devant Jésus transfiguré. Et au bout d'un moment, la Bible dit qu'ils gardèrent silence. Merci Saint-Esprit. Restons dans sa présence quelques minutes. Thank you.
Jésus. Nous bénissons. Nous bénissons les meurtriers. Nous bénissons ceux qui font le mal. Nous bénissons ceux qui nous persécutent. Nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous bénissons les rois des nations. Nous bénissons les autorités. Nous bénissons
Nous bénissons ceux qui œuvrent et qui travaillent dans le royaume de Dieu. Nous bénissons les églises locales. Nous bénissons ceux qui souffrent. Nous bénissons ceux qui prient en faveur du réveil. Nous bénissons hommes et femmes, enfants, adultes, vieillards. Nous bénissons. Nous bénissons. Nous bénissons. C'est toi qui as dit, Seigneur, ne craignez pas ce qui va vous arriver. On mettra à la mort plusieurs. On en jettera d'autres en prison. Et vous serez éprouvés et persécutés pendant 10 jours. Mais tenez ferme et persévérez. Car je donnerai la couronne de vie à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je remettrai la couronne de vie. Nous appelons le réveil spirituel sur ce monde, sur ces pays, sur ces familles. Ta gloire se lève au milieu des ténèbres. Ta lumière resplendit. Et ceux qui étaient assis dans les ténèbres sous le pouvoir de la mort voient une grande lumière. Voient une grande lumière. Voient une grande lumière. Merci, Père, pour cette soirée. Quelle grâce. Vraiment, quel honneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton amour, qui est immense. Grande est ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Merci. Merci. Ay, Braya Soko, Braya Sito. Ay, Braya Braya Soto. Déclarons la bénédiction du Seigneur sur vous, la grâce de Dieu. Soyez environnés de la faveur du Seigneur.
sa grâce, de ses bontés. Croyez. Croyez en lui. Si quelqu'un a résisté jusque-là, ne résiste plus, mais donne-lui tout. Reconnais tes péchés et demande-lui pardon. Et offre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il devienne ton Seigneur et ton Maître, le Sauveur de ta vie, et que tu puisses le suivre, jamais le devancer, mais toujours le suivre. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme je me suis assis auprès de mon Père. On vous bénit, frères et sœurs. Merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. On a tellement besoin. Je vois que personne ne veut partir. Waouh. Tellement, Seigneur. Et de tels moments, ça nous rappelle encore comment ce qu'on peut vivre et ressentir et nos difficultés, tout ce qu'on peut, toutes les choses par lesquelles on peut passer, nos questionnements, nos raisonnements ne sont rien, rien dans ta présence. Réaliser encore la grandeur de ton amour, la profondeur de ton amour, la largeur, la hauteur, la longueur de ton amour. Et je prie, Père, que ton peuple puisse toujours demeurer dans ton amour, afin que personne ne se perde en cherchant l'amour ailleurs. Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Merci, Seigneur. Pour ce peuple, mes frères et mes sœurs, Jésus, qu'il n'y en ait jamais aucun d'eux, je te dis merci, qui ne se perde, oui, mais que chacun de nous, Jésus, qu'on puisse courir notre course, merci, jusqu'à la fin, parce que tôt ou tard, on va tous être rassemblés, je te dis merci, pour te louer et t'adorer, Jésus. Et cette couronne de gloire que tu réserves à ceux qui t'aiment, ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'au bout, malgré les persécutions, malgré les incompréhensions, malgré les déceptions, malgré les pièges tendus du diable, malgré l'adversité. Ah, mon Dieu, tu réserves cette couronne de gloire à ton peuple. Oh, Seigneur, qu'aucun de nous ne puissions nous perdre. Jésus,
Je prie que jamais on soit rempli d'orgueil à penser que ce serait impossible. On veut s'accrocher à toi. Je te dis merci. Soupirer après ta présence. Comme une biche. Ah, soupir après des courants d'eau. Oh, je prie que nous puissions être là, s'abreuver de ta présence, de ta rivière de gloire. Des têtes à têtes avec toi, des moments intimes avec toi. Oh Seigneur, pardonne-nous d'être tellement occupés par nos vies terrestres, par des choses charnelles et futiles et vaines. Alors que personne ne veut quitter ce lieu, pardonne-nous de pas soupirer et aspirer à plus de toi. Nous avons besoin de toi. Comme une fiancée. Le jour du mariage. Nous désirons être remplis d'amour, de romance, expectatifs. Oh Seigneur, que jamais on puisse s'habituer à ta présence, la vraie, la véritable. C'est là que tu délivres, c'est là que tu transformes et tu façonnes. Tu façonnes en ce moment. Nous contemplons ta gloire et nous sommes transformés à ton image. Se tourne vers toi.
dans le secret. Puis je te cherche et je soupire après ton regard. Jésus, dans le secret, je me tiens à l'ombre de tes ailes et je suis bien. Oui, je suis bien. Dans le secret, au quotidien, chaque jour, je me tiens dans ta présence. C'est là qu'est ma vie. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Adam et Ève dans le jardin, tu es descendu pour leur parler. Tu es descendu. Et tu as vu leur péché. Ils t'ont désobéi. Tu as sacrifié un animal et le sang a coulé pour cacher leur nudité, pour couvrir leur péché. Mais tu avais prévu un sacrifice plus grand et plus parfait que celui des animaux. Et tu as dit, qui enverrai-je? Et tu as répondu, me voici, envoie-moi. Jésus, tu es venu et tu t'es donné, tu t'es livré parfaitement, entièrement, sans rien retenir. Tu avais le pouvoir de garder ta vie, mais tu l'as donnée, tu l'as offerte en sacrifice pour le pardon de l'humanité. Tu t'es donné pour nous. Et on ne réalise pas encore la place que tu nous as réservée. Si ton serviteur a pu dire, après avoir été lapidé, après avoir souffert, avoir été rejeté par les frères, les faux frères, les juifs. Après avoir été flagellé, frappé, mis en prison. Après avoir fait toutes sortes de naufrages. Il a dit, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Tu nous réserves une place de gloire, de gloire. Merci. Merci. Fortifie tes serviteurs, Seigneur. Fortifie tes serviteurs encore. Qu'ils soient fortifiés. Fortifiés. Qu'ils reprennent courage. L'ombre de ces palmiers-là, dans cette oasis, qu'ils puissent s'abreuver pour marcher encore un peu, pour œuvrer encore, pour marcher dans tes traces, pour accomplir les œuvres auxquelles tu les as appelées.
jusqu'à un autre point de rafraîchissement. Et fortifie tes serviteurs. Je te bénis, Seigneur. Nous te bénissons pour l'œuvre de tes serviteurs et de tes servantes partout dans la francophonie et au-delà. Nous bénissons ce que tu nous as envoyé. Nous bénissons nos pasteurs, les couples pastoraux, les familles sacerdotales. Nous bénissons leurs enfants. Nous bénissons les serviteurs, les servantes, les évangélistes qui annoncent ta parole et qui persévèrent. Nous bénissons nos enseignants qui se consacrent dans l'étude de ta parole, dans l'enseignement. Nous les bénissons. Nous bénissons les prophètes qui se tiennent dans le lieu secret, qui portent la charge, le fardeau, qui annoncent tes décrets, qui remuent le ciel et la terre. Nous les bénissons. Nous bénissons les apôtres, les envoyés. La charge est lourde, mais la vision leur permet d'avancer. Rafraîchis-les dans la vision. Nous bénissons tes serviteurs et tes servantes, enfants de Dieu, serviteurs dans ta maison, serviteurs dans le monde séculier, serviteurs, nous les bénissons. Nous les bénissons, nous bénissons les entreprises chrétiennes. Nous bénissons les associations tenues par des croyants. Nous les bénissons. Nous bénissons les œuvres, les organismes qui sont créés dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Nous les bénissons. Nous bénissons ceux qui travaillent de leurs mains pour apporter à ceux qui sont dans le besoin. Nous les bénissons. Nous bénissons les vies, les célibataires. Nous bénissons les couples et les familles. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Et Père, nous bénissons EMCI. Nous bénissons cette œuvre. Nous bénissons cette vision. Nous bénissons. Nous bénissons Michael, Yveline, son épouse, leurs enfants. Oui. Nous les bénissons. Oui, Seigneur. Tu lui as parlé il y a tant d'années. Oui. Et il a persévéré jusqu'à ce jour. Nous le bénissons. Oui. Nous bénissons sa vie. Nous les bénissons. Nous bénissons cette œuvre et toute œuvre qui permet à ton royaume d'avancer. Nous bénissons ton œuvre. Nous te bénissons et nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous te glorifions. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et nous vous bénissons. Vous tous qui suivez nos émissions, les productions, et tout ce qui peut sortir de cette vision, nous vous bénissons et merci vraiment à tous ceux qui se tiennent dans la prière pour cette œuvre qui dépasse nos simples vies. Nous vous bénissons, merci, vraiment. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement cette œuvre. Nous vous bénissons. Merci de mettre à part chaque mois, comme vous le faites pour vos églises locales. Merci de mettre à part chaque mois dans cette œuvre une manifestation de votre amour et de votre cœur pour cette vision divine. Nous vous bénissons et nous vous aimons. Et nous déclarons sur vous la bénédiction du Seigneur, la gloire de Jésus-Christ, la manifestation de sa douce et glorieuse présence. Et nous vous encourageons à marcher dans l'amour et à garder la foi, l'espérance et l'amour. Marchez dans l'amour,
marcher dans l'amour et pardonner, comme vous avez été pardonné. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je veux remercier toute l'équipe qui a été là et qui a rendu ce live possible. Tous ceux qui sont derrière et que vous ne voyez pas, ouais. Tous ceux qui sont en haut et qui prient. Yes. Bénissons l'équipe de MCI. Avec vous, au milieu de cette œuvre et au sein de cette œuvre, mais aussi vous-même dans vos églises respectives, le Seigneur va se glorifier et il va manifester son règne au milieu de cette génération. On vous dit à très très bientôt. C'était un live prière inspirée. Soyez bénis. Alors à très bientôt dans prière inspirée. À très bientôt. On vous bénit.